written live im Catch Saal Kreuzberg. You can feel it live online im Stream. You can feel it live in Berlin. The heat is on. Willkommen zu Summer Smash 2024. Das nächste Match Berlin ist angesetzt auf einen Fall. Auf dem Weg zum Ring. Allez, bonjour ou bonsoir à tous, je suis votre hôte, Vianney Kanyonk. Bienvenue à Berlin pour GWF Summer Smash 2024. Et comme l'a annoncé Olaf, on démarre direct avec un match en 1 contre 1. Mit einem Kampfgewicht von 105 kg, er ist die perfekte Naturgewalt. Er ist der Tiger aus Berlin, Tony Horton. Match en 1 contre 1, dont on accueille le premier participant, lui qui lorgne sur le titre de champion du monde de Mike DiVecchio. 105 kilos à la pesée pour Der Tiger aus Berlin, le tigre de Berlin, dit Perfect Naturgewalt, la parfaite force de la nature. Voici Tony Harting. Die perfekte Naturgewalt, der Tiger aus Berlin, Tony Harting. Tony Harting dans le ring, il ne reste plus qu'à attendre son adversaire du soir. Bienvenue à toutes et à tous, c'est l'événement le plus important de l'été chez GWF, enfin presque, puisqu'il y a un énorme week-end qui arrive, vous le savez. Aus District Number 9 in Budapest, in Ungarn, Pishan Tihani. Le voici donc, l'adversaire de Tony Harting ce soir. Il nous vient de Budapest en Hongrie. Il est, comme j'aime à l'appeler, la pépite du catch hongrois, 95 kilos à la pesée. Voici venir Peter Tihani. Et comme je le disais, si vous êtes en première diffusion ce jeudi soir, bienvenue à toutes et à tous pour ce show qui s'annonce exceptionnel, tout comme le week-end qui approche dès demain à 14h. Le premier numéro de GWF et Ref Pro Wrestling Double Impact. On remet ça samedi à la même heure. Budapest in Ungarn, Peter Tihani. Le week-end donc avec Ref Pro Wrestling qui sera en direct demain, le 30 août, samedi 31, et on va terminer en beauté avec GW Battlefield, également en direct dimanche après-midi. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, @VianneyKanyonk, suivez @WeAreGWF pour ne rien louper de ces diffusions du week-end. Les replays seront bien sûr disponibles instantanément sur la chaîne, mais si on peut vivre ça en direct, c'est quand même une chance absolument exceptionnelle. J'aurai la chance d'être de retour à Berlin pour représenter la communauté de catch francophone, pour vous commenter ces combats exceptionnels en live. Pour la première fois, Ref Pro et GWF s'associent et c'est un immense honneur d'en faire partie pour vous. Voilà, j'ai planté le décor de ce week-end de malade qui arrive, mais pour l'instant on a Summer Smash qui débute avec Tony Harting contre Peter Tihani et première prise de contact entre les deux hommes sur le ring, dans l'ambiance surchauffée de Berlin. Aucun jeu de mots en rapport avec la chaleur et Summer Smash, quoique j'aurai le droit, il fait très très chaud de là où je commente, mais également à Berlin en ce moment. Et dans le ring, ça va chauffer également entre deux hommes qui ont besoin de se lancer. Ils ont officiellement annoncé sur les réseaux sociaux de GWF qu'ils souhaitaient se positionner pour une chance au titre de champion du monde de Mike DiVecchio. Tony Harting lorgne sur ce titre, je l'ai dit. Il essaye de faire entre guillemets un petit peu de la lèche à Mike DiVecchio pour essayer de se positionner pour avoir un match de championnat. Pour l'instant ça fonctionne pas. On va retrouver Mike DiVecchio ce soir dans le main event face à Moose, le champion du monde de TNA Wrestling, au moment où ces images sont enregistrées. De son côté, Peter Tihani doit se relancer également s'il souhaite un jour devenir champion du monde des GWF, lui qui
la plupart du temps, quand il a eu l'occasion de se positionner pour quelque chose de grand, pour un grand titre, un grand run en solo chez GWF, eh bien, il a à chaque fois, entre guillemets, heurté son plafond de verre. On se souvient des deux finales auxquelles il a participé, de la Light Heavyweight World Cup, où il aurait pu remporter ce tournoi annuel de GWF, où il aurait pu devenir champion de Berlin en 2023. Et à chaque fois, il a terminé à la troisième, puis à la deuxième place. Il serait temps pour Peter Tiani de réussir à briser ce plafond de verre et à atteindre le sommet de la pyramide chez GWF, sommet que Tony Harting veut retrouver. Lui qui a été champion pendant de longs mois également, détrôné en fin d'année dernière. Et c'est en train de chauffer là entre Peter Tiani et Tony Harting. La grosse claque envoyée par le Tigre de Berlin et Peter Tiani qui répond. Allez, premier gros coup d'avant-bras qui est porté par la parfaite force de la nature. Ça fait reculer Tony Harting. On va l'envoyer dans le coin opposé, tête la première. Encore une carte de folie ce soir à Summer Smash. Je parlais de ce main event entre Moose et le champion du monde Mike DiVecchio. On aura également un combat au sommet entre le vainqueur de la Light Heavyweight World Cup 2024, Aura, face à Senza Volto, la sensation française qui sera également présente ce week-end du côté de Berlin. Tout comme Peter Tiani qui vient de se jeter sur Tony Harting à l'extérieur avec un magnifique topé suicida pour faire lever la foule ici. Une première fois au Fessai Crossberg. Un peu de temporisation pour Peter Tiani à l'extérieur du ring. Après avoir envoyé Tony Harting au sol à l'extérieur. Un coup d'avant-bras qui fait reculer Tony Harting sous l'impact. Tony Harting envoyé dans le ring par Peter Tiani. On a envie que ça se passe dans les règles ce combat. Pour Tony Harting, on n'a pas trop de doutes, vu qu'il n'a pas pris le chemin de Fast Time Mudo, son partenaire qui a complètement vrillé. En revanche, Tony Harting, c'est pas le dernier pour profiter de ce genre de situation, même si là il a attendu que son adversaire se retourne après avoir failli heurter notre arbitre. Et Tony Harting se jette sur les lombaires de Peter Tiani. Première tentative de tomber pour obtenir un compte de 2. Coup de coude de Tony Harting. Il vient travailler les cervicales de Peter Tiani, peut-être pour travailler et affaiblir cette zone avant de placer son fameux TKO. Peter Tiani qui tente de résister, de faire reculer Tony Harting, mais une nouvelle fois un coup de coude derrière la nuque qui fait flancher Peter Tiani. La projection dans les cordes, elle était attendue. Un gros coup de pied porté par Vertiger Osberlin. Le dropkick dans les jambes pour faire chuter le Hongrois. Il y a un gros coup de pied au sol. Et Tony Harting qui, comme à son habitude, fait le malin avec son background en capoeira. Belle tentative de tomber, mais ce n'est pas fructueux pour l'instant. Il va en falloir plus pour venir à bout de Peter Tiani. Certes, il n'a jamais réussi à remporter un tournoi ou un titre majeur chez GWF, mais il n'a plus à prouver son talent et sa résistance, Tony Harting. Et Tony Harting, ancien champion du monde, il a envie de retrouver cet or qu'il a eu autour de la taille pendant si longtemps. Ancien champion de Berlin également, Tony Harting. Alors que Fast Time Mudo n'a plus douté que aux joies d'être champion par équipe, je l'évoquais avec son partenaire Fast Time Mudo, son ancien partenaire, son ancien ami. On voit la souffrance là sur le visage de Peter Tiani après cet envoi dans le coin. Le dos, l'arrière de la nuque qui continue d'être travaillé de fort belle manière, il faut le dire, par Tony Harting. Alors ce combat n'est pas officiellement pour obtenir une chance au titre de champion du monde de Mike DiVecchio ou de Moose en fonction du résultat du main event de ce soir. Mais nul doute qu'une victoire pour Tony Harting ou pour Peter Tiani les mettra en bonne position, notamment avant Battlefield qui approche. Et Tony Harting va recevoir Peter Tiani, mais il l'a bien accueilli, il a superbe un backbreaker pour contrer cette tentative de crossbody. Le tombé 1, 2 et dégagement.
de Peter Tiani. Les encouragements du Festsaal Kreuzberg de Berlin pour la pépite du catch hongrois Peter Tiani, qui a du mal à se mettre dans ce combat, qui a du mal à sortir de l'emprise de Tony Harting, qui travaille encore là cette fois le bas du dos avec ce backbreaker enchaîné avec une prise de soumission. Le corps de Peter Tiani qui se retrouve totalement tordu dans le mauvais sens. Encore un backbreaker, c'est parfaitement exécuté. On ne laisse pas respirer Peter Tiani et il vient se jeter là sur les lombaires de son adversaire avec un grosse descente du coude, le tombé et dégagement. Une nouvelle fois au compte de 2. Un combat bien compliqué pour Peter Tiani. Est-ce que ce ne serait pas encore une fois l'illustration de ce que je disais un peu plus tôt, à savoir qu'il a du mal à briser son plafond de verre chez GWF, à venir à bout d'anciens champions du monde et à se positionner pour des chances à ses titres. Et quand bien même, lorsqu'il y arrive dans ses positions de challenger, il a du mal à confirmer. Il a envie de nous faire mentir. En tout cas, Peter Tiani, ce soir, il serait bien inspiré de venir à bout de Tony Harting. Mais jusqu'ici, c'est un combat bien compliqué pour l'Hongrois. L'esquive de Peter Tiani qui permet d'envoyer des coups d'avant-bras au visage de Tony Harting pour avoir un peu d'offense dans ce combat. La projection dans les cordes, il prend de la vitesse Peter Tiani. C'est sa force face à des adversaires comme Tony Harting et ça paye avec cette espèce de coup de coude à la volée. Tony Harting déjà debout, Peter Tiani qui enchaîne avec son tornado DDT. Il vient de planter la tête du Tiger Ross Berlin, le tombé 1-2 et dégagement au compte 2-2. Allez, c'est peut-être le moment là pour Peter Tiani de capitaliser sur ce beau tornado DDT. L'une de ses spécialités, il est venu planter la tête de son adversaire en plein centre de ce ring. Toujours sous les encouragements du public de Berlin. Public qui, nul doute, sera chauffé à blanc au Astra Cultura House ce week-end pour Double Impact avec Revolution Pro Wrestling suivi de Battlefield. Allez, Tiani qui va prendre de la hauteur, c'est peut-être la clé pour venir à bout de Tony Harting ce soir. Peter Tiani sur la troisième corde, tu es préparti là, il a été trop long et ça laisse le temps à Tony Harting de venir déséquilibrer le Hongrois et asséner un gros coup d'avant-bras au visage de son adversaire. On est en train de préparer une superplex. Ça pourrait être le début de la fin là pour Peter Tiani. Si cette superplex venait à passer, il le sait, il est en train de se retenir. En train de croiser les jambes sous l'étendeur, en train de se retenir aux cordes. Allez, coup d'avant-bras. Un deuxième. Tony Harting qui pour l'instant ne lâche pas, ça y est. Tony Harting obligé de chuter, complètement en train de tituber là. Et le crossbody de Peter Tiani, le tombé 1-2. Ah, il dégage mon compte de 2. Cette fois-ci, le crossbody était passé. Mais ce n'est pas suffisant pour Peter Tiani. Tony Harting également, l'un des lutteurs les plus résistants chez GWF. Il en faudra bien plus pour venir à bout de celui qui s'autoproclame The Perfect Naturgewalt, la parfaite force de la nature. Et oui, je révise hein, mon allemand avant de décoller une nouvelle fois pour Berlin, même si je vous avouerai que je parlerai beaucoup anglais là-bas. Attention là, le slingshot cutter qui a été tenté par Peter Tiani, ça aurait été terminé si c'était passé. Le coup d'avant-bras encore dans les lombaires de Tony Harting, enchaîne avec un rolling elbow, mais le super kick de Peter Tiani et la clothesline de Tony Harting pour répondre. Peter Tiani qui se relève un peu à l'instinct mais qui se fait accueillir là par Tony Harting, l'esquive, le capoeira kick qui a parfaitement touché la cible. Oh, attention, il s'est fait surprendre là Peter Tiani, le tombé 1, 2 et 3, la victoire de Peter Tiani. And here's the Sieger, aus Budapest in Ungarn, Peter. Après ce gros enchaînement de coups, Peter Tiani qui parvient à surprendre Tony Harting avec un jackknife cover
et qui remporte donc la victoire dans ce combat d'ouverture. Ah, il a envie de porter réclamation à Tony Harting, mais il y avait bien 3. On en a tous été témoins. C'est une victoire de Peter Tihany face à Tony Harting pour ouvrir GWF Summer Smash. Ouais, Tony Harting, attention là, il a la défaite mauvaise, on le sait, mais c'est pas une raison pour venir matraquer Peter Tihany, la scène là, des violents coups de pied, des coups de poing, les arbitres qui vont tenter de ramener Tony Harting à la raison. Allez, dans sa quête pour aller chercher le titre de champion du monde, pour avoir une chance au titre de Mike DiVecchio. Bien, Tony Harting vient de prendre une grosse défaite. Et il en est conscient. Für Peter Tihany. Niederlage Tony Harting. Und deshalb Berlin, euer Sieger aus Budapest in Ungarn, Peter Tihany. Et à l'inverse, Peter Tihany qui va avoir des arguments pour aller voir la direction de GWF et tenter, pourquoi pas, d'obtenir ces prochaines semaines, ces prochains mois, un éventuel match de championnat. Bravo à Peter Tihany pour cette victoire dans notre combat d'ouverture. Das nächste Match Berlin ist angesetzt auf einen Fall und es geht den German Wrestling Federation Tag Team Championship. Vorher aber ein Statement vom wichtigsten Mann der German Wrestling Federation, Ahmed Mohamed Ali Chair. Et avant de poursuivre avec un match, vous l'aurez peut-être compris, pour les titres de champion par équipe de GWF, le toujours dirigeant pour le moment de la promotion vient vous dire un petit mot. Ich habe euch versprochen, ich mache es kurz, deswegen mache ich jetzt auch kurz und meine Worte gehen. Alors je vais faire court parce qu'on a un gros programme ce soir et je vais parler au vestiaire. Nicht, dass jeder Wrestler, der auftritt, sich eine ganze Horde von Leuten mit zum Ring nimmt und die am Ring stehen. Alors désormais, j'ai envie de remettre un petit peu d'ordre. Nummer 1. Die Fans können mehr sehen und die versprechen nicht, versperren nicht mehr die Sicht. Alors lorsque des membres und Nummer 2, de clan die matches im ring auront un combat, und keine Eingriffe von les personnes, les autres membres du clan, pardon, ne pourront pas les accompagner jusqu'au ring pendant le match afin d'empêcher les interventions. Alors je pense que ça gerne bis zur Bühne begleiten, aber dann bitte backstage. Ça s'adresse principalement aux frères de sang, Bruce Bruder et Adair Clan. Und in den German Wrestling Federation Tag Team Championship hier die Herausforderer. Et quand on part de Der Clan, les voici. Alors peu importe la paire qui est choisie pour ce match de championnat, les autres membres du clan seront bannis des abords du ring. Auf dem Weg zum Ring in Begleitung von Ali Aslan und Palivan Nima vom Clan mit einem Gewicht von 92 Kilogramm. Aus Istanbul in der Türkei, the Sultan of Wrestling, Cem Kaplan! Sein Tag Team Partner mit einem Gewicht von 105 Kilogramm aus Kurdistan im Iran, Sorani! Zusammen der Clan! Et ce sera donc Zorani et Cem Kaplan qui ont été accompagnés seulement jusque la rampe d'entrée par Ali Aslan et Palivan Nima. Zwei Männer, die sich bei der letzten Veranstaltung gefunden haben und ihren Traum erreicht haben. Die German Wrestling Federation Tag Team Champions. Eitert und Pascal fanden zusammen bei der letzten Show und gemeinsam schafften sie das Unfassbare. Sie wurden neue GWF Tag Team Champions. Eure Champions. Auf den Weg zum Ring. Mit einem Gewicht von 95 Kilogramm aus Adana in der Türkei, der Adana Bulldozer, Eitaç Bahar! Sein Tag-Team-Partner mit einem Gewicht von 115 Kilogramm aus Berlin, Pascal Spalter! Zusammen sind sie die neue
German, German Wrestling Federation Tag Team Champions, Two Speed Heroes. Et les voici, les champions par équipe de German Wrestling Federation. Cette équipe formée du héros de la capitale, Pascal Spalter, du bulldozer d'Adana, High Touch, Bahar. Ensemble, ils sont vos champions, ils sont Two Sweet Heroes. Et quel accueil pour ces deux lutteurs très populaires ici au Festival Kreuzberg de Berlin. Pascal Spalter, aus Adana, in der Türkei, der Adana Bulldozer High Touch Bahar, den German Wrestling Federation Tag Team Champions. Two Sweet Heroes! Two Sweet Heroes, vos nouveaux champions. Et nouveaux champions attaqués directement, sans surprise, par Derklan, Zorani et Cem Kaplan. Ah, on peut pas avoir les autres membres du clan autour du ring. Ils sont bannis, merci Armechir. Par contre, les sales pratiques de Derklan continuent. On attaque les champions par équipe avant même que la cloche ne sonne. Ouais, l'esquive là de Pascal Spalter qui vient envoyer un gros coup de bélier à Zorani. Et un body slam porté par High Touch Bahar. Ça les apprendra à Derklan de vouloir surprendre dans le dos les champions par équipe de GWF qui ont parfaitement bien répondu. Two Sweet Heroes qui ont demandé à Ahmed Shir lors de notre dernier événement Rising Heat d'obtenir un match de championnat. Ils l'ont eu face à Axel Tischer et Metehan. Et contre toute attente, cette nouvelle équipe est venue à bout des champions et a remporté les titres de champion par équipe de GWF. Ils sont donc ce soir sur le ring pour leur toute première défense face à deux membres de Derklan, choisis visiblement par Ali Aslan, Zorani et Cem Kaplan. Et on va démarrer sur le ring avec Zorani d'un côté et avec Pascal Spalter de l'autre pour les champions par équipe. Un gros atémi de la part de Zorani qui fait sourire le héros de la capitale, Pascal Spalter. On a vu là dans ce petit clip vidéo d'avant-match, d'avant-entrée des champions plus précisément, qu'ils se sont bien trouvés les deux, High Touch Bahar et Pascal Spalter. Ils se sont associés très intelligemment et ça donne un nouveau souffle à leur carrière qui battait un petit peu de l'aile en solo. Ils avaient du mal à se relancer, à aller chercher un titre de champion de Berlin, un titre de champion du monde. Mike DiVecchio est très bien installé, en tout cas avant son match face à Moose ce soir dans le main event. Il est bien installé en haut de la pyramide de GWF. Bien qu'à cela me tienne, High Touch Bahar et Pascal Spalter s'associent pour dominer la division par équipe désormais. Et ça commence par une belle défense ce soir face à Zorani et Cem Kaplan. Pour l'instant ça se passe bien en tout cas pour les champions défendants. Zorani qui est en difficulté face à High Touch Bahar. Le changement une nouvelle fois fait, ça travaille déjà très très bien pour une équipe qui est récente finalement. Two Sweet Heroes qui a débuté en équipe lors de Rising Heat. Et quel début, venir prendre les championnats par équipe à Metehan et à Axel Tischer et tout de suite devenir une véritable équipe sur laquelle compter en tant que champion. Et la position caractéristique de Pascal Spalter qui va chercher la foule et qui va enchaîner avec son coup d'avant-bras derrière la nuque. S'il parvient à le faire. Oh, et c'était sans compter sur Cem Kaplan qui a étiré les cordes pour venir faire chuter Pascal Spalter à l'extérieur. Et on n'a pas de membres de Derklan aux abords du ring, mais ils savent y faire tout de même. Les sbires de Ali Aslan. Cem Kaplan qui vient remettre Pascal Spalter dans le ring après l'avoir attaqué à l'extérieur. Et juste comme ça, Zorani qui prend le dessus sur le héros de la capitale pour la première fois dans ce combat. On remercie tout de même Ahmed Shir pour cette décision. C'est vrai que c'était vraiment compliqué pour les arbitres de faire respecter les règles durant les combats de Derklan, durant les combats des frères de sang, des Blutsbrüder, lorsqu'il y avait du monde aux abords du ring. Désormais, c'est interdit. Et c'est une très bonne chose. On va avoir des combats dans les règles de l'art. Pour une fois, avec Derklan, avec les Blutsbrüder. Il fallait tout de même en arriver là. C'est bien dommage.
Ayachen Kaplan qui trouve un autre moyen encore là de venir briser les règles avec ses étranglements. Zorani qui va à son tour dans le dos de l'arbitre. Arbitre distrait par Chem Kaplan et ça va pas s'arranger. Il va même de l'autre côté là avec Aitaj Bar qui était agacé par cette situation. Et là, explodeur souplex porté par le sultan du catch. Chem Kaplan le tombe 1-2 et dégagement au compte de 2 de Pascal Spalter. Toujours les encouragements du Fessai Kreuzberg de Berlin pour tenter de revigorer un peu la Pascal Spalter, de le faire revenir dans le match. Depuis cette attaque à l'extérieur par Chem Kaplan, c'est très compliqué pour le héros de la capitale. Et intelligemment, là, les membres de Der Klan qui viennent couper en deux le ring. On isole au maximum Pascal Spalter de son partenaire pour l'empêcher de faire le tomber, de faire le changement, pardon, avec son partenaire. Alors, si ça peut l'éviter de faire le tomber, hein, c'est mieux également pour les challengers. Et une nouvelle fois, on a vu cet étranglement de Zorani dans le dos de l'arbitre avec cette distraction de Chem Kaplan. On voit bien là dans l'attitude de Zorani et de Chem Kaplan l'école Ali Aslan. On sait où ils apprennent leurs leçons, ces deux-là, dans les vestiaires avec le leader de Der Klan. Et ça continue, encore un étranglement, une reverse guillotine là sur les cordes. Et Zorani qui va enchaîner avec un écrasement au sol. Le tombé 1-2 et encore un dégagement pour Pascal Spalter. Un dégagement qui agace Zorani, qui agace Chem Kaplan. On entend râler sur l'arbitre, lui signifier qu'il ne compte pas assez vite. Cette frustration, c'est peut-être la clé pour Pascal Spalter. Il y a Aitaj Bar, allez, on vient retourner là. Zorani lui a séné des atémis dans ce coin de Der Klan. Et Chem Kaplan intelligemment qui a fait le changement et qui va empêcher Pascal Spalter d'aller faire de même. L'intelligence, la malice de Chem Kaplan qui est en train de la rouer de coups. Pascal Spalter au sol. Spalter qui aurait bien besoin d'aller vers ce coin pour aller faire le changement avec Aitaj Bar. Mais encore une fois, très intelligemment, Chem Kaplan qui ramène Pascal Spalter dans le coin de Der Klan et Zorani qui redevient l'homme légal dans ce match. Les challengers qui sont en train de parfaitement gérer ce combat, faire parler leur expérience par équipe. Allez, le coup de coude de Pascal Spalter pour tenter de se défaire de cette situation. Spalter sur la seconde corde et le missile dropkick. Allez, il y a peut-être une ouverture pour aller faire rentrer Aitaj Bar sur ce ring. Il est en train de piétiner, il est en train de trépigner d'impatience. Le bulldozer d'Adana, la main tendue vers Pascal Spalter pour ce changement salvateur. Ça y est, c'est fait. Aitaj Bar qui rentre sur le ring. Le coup d'avant-bras sur Chem Kaplan. Oh, c'est pas vrai, l'arbitre a pas vu le changement. L'arbitre était distrait là par Zorani et il ne valide pas ce tag qui avait été pourtant bien effectué par Pascal Spalter. Et Aitaj Bar, c'est pas possible. Même quand on essaye de faire respecter les règles en empêchant Ali Aslan, Palevan Nima d'être autour du ring, et bien Chem Kaplan et Zorani trouvent des moyens de contourner le règlement. Et ça oblige Pascal Spalter à subir encore une fois les assauts de Der Klan alors qu'il avait fait ce changement. Et on prépare une manœuvre en équipe pour les challengers qui vont bien sûr profiter de cette situation. Bon, attention, Pascal Spalter, il est passé au travers, il se jette sur ses deux adversaires. Là aussi, il est passé au travers avec ce double crossbody sur Zorani, sur Chem Kaplan. Ah, et Pascal Spalter qui emmène la foule avec lui pour aller faire ce changement. C'est toute la salle là qui va aller faire le tag avec Aitaj Bar. Ça y est, c'est fait. Et cette fois-ci, l'arbitre l'a bien validé. Aitaj Bar est de nouveau légal. Et il enchaîne, comme tout à l'heure, avec des gros coups de la corde à linge sur les deux membres de Der Klan. Superbe belly to back suplex porté par le bulldozer d'Adana qui est frais, qui est dispo, qui est motivé pour aller conserver ses titres de champion par équipe ce soir à Summer Smash. Pour aller les défendre ce week-end dans ce grand événement Double Impact avec Revolution Pro Wrestling
On ne peut pas passer aux côtés de cette opportunité. La première fois que Rev Pro s'associe avec GWF, ça va être un moment important pour tous les champions. Superbe le Spinebuster porté par Etage Bar, mais un dégagement au compte 2 de Zorani. Allez, la dynamique de ce combat qui a été totalement inversée là par le changement réalisé du côté des champions. Pascal Spalter qui a eu le temps de récupérer, qui veut travailler avec High Touch Bar, mais Cem Kaplan qui est venu le tirer hors du ring. Un Spinebuster porté par Zorani, le tombé et dégagement au compte de 2 d'High Touch Bar, dont la résistance n'est plus approuvée, lui l'ancien vainqueur de la Light Heavyweight World Cup. Le changement qui est fait du côté des challengers, Cem Kaplan prêt à venir écraser. High Touch Bar en plein centre du ring, c'est chose faite. Le tombé pour les titres, 1, 2, oh, le dégagement in extremis d'High Touch Bar. Il s'en est fallu de peu pour la moitié des champions par équipe de GWF. Zorani qui va venir continuer ce travail de sape sur High Touch Bar, tenter d'en terminer, mais coup d'avant-bras qui a été contré. High Touch Bar qui répond une fois, deux fois, le troisième. Gros coup de pied pour faire reculer High Touch Bar dans le coin. L'esquive du bulldozer d'Adana, la projection dans les cordes et encore une clothesline. Ces coups de la corde à linge d'High Touch Bar qui font beaucoup de dégâts depuis le début de ce combat. Et attention, superbe Uranagi porté par Pascal Spalter sur Cem Kaplan qui tentait d'intervenir. Allez, il y a une ouverture pour les champions en titre pour aller conserver ses ceintures de champion par équipe ici à Summer Smash. Le changement qui est fait. Oh, qu'est-ce qu'on prépare? Le Death Valley Driver porté par High Touch Bar. Et le splash de Pascal Spalter. Le tombé 1, 2 et 3. Victoire de Two Sweet Heroes. Hier sind die Sieger und weiterhin German Wrestling Federation Tag Team Champions Eitach Baha, Pascal Spalter, Two Sweet Heroes. Vainqueur et toujours champion par équipe de GWF, Eitach Bar, Pascal Spalter, Two Sweet Heroes, qui viennent à bout de Cem Kaplan et de Zorani. Und weiterhin German Wrestling Federation Tag Team Champions Pascal Spalter, der Adana Bulldozer, Eitach Baha, zusammen Two Sweet Heroes. Two Sweet Heroes qui démarrent leur règne par une très belle défense des titres de champion par équipe et on les retrouvera sûrement ce week-end. Berlin, das nächste Match ist angesetzt auf einen Fall auf dem Weg zum Ring. Mit einem Gewicht von 100 Kilogramm aus dem Dickicht in Brandenburg, der Blutsbruder Georg Ascola. Et on enchaîne avec celui qui a été banni des vestiaires de GWF. Il a dû se changer sûrement sur le parking de la salle. Le membre des frères 200 des Blutsbruders défait à Rising Heat par Nick Schreier. Voici Georg Ascola. Aus Brandenburg, Georg Ascola. Sein Gegner. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 105 Kilogramm aus Santo Domingo in der Dominikanischen Republik, Rambo! L'adversaire de Georg Ascola dans ce combat en a contre un nous vient de Santo Domingo en République Dominicaine. Voici l'ancien leader de la Black Guerrilla Army, El Comandante Rambo. Rambo!
Rambo contre Georg Asgolar. Combat en 1 contre 1 ici à GWF Summer Smash. Et c'est un match entre deux lutteurs qui ont besoin d'insuffler une nouvelle dynamique à leur carrière en solo ici à Berlin chez German Wrestling Federation. J'évoquais le fait que Georg Asgolar ait perdu face à Nick Schreier. On l'a vécu ensemble, c'était à Rising Heat. Cette défaite donc qui signifie qu'il est banni pendant une durée de 3 mois des vestiaires de GWF. Alors je serai à Berlin ce week-end pour le week-end Double Impact Battlefield. Je pense que je ne croiserai pas Georg Asgolar. Visiblement, je le croiserai peut-être sur le parking en arrivant, en train de mettre son singlet. C'est une petite humiliation pour le membre des Blues Brothers d'être viré ainsi des vestiaires, mais c'était la stipulation du match face à Nick Schreier. Il a perdu, il n'a plus le droit d'accéder au backstage. On va essayer tout de même de remettre sa carrière chez GWF en solo dans une bonne dynamique, avec peut-être une victoire ce soir face à l'ancien leader de la Black Guerrilla Army, Rambo. Rambo qui traverse une phase compliquée également. La fin de la Black Guerrilla Army n'a pas été une bonne nouvelle pour Rambo, qui est à la recherche, on l'a vu, d'un nouveau partenaire pour peut-être aller titiller encore une fois les champions par équipe. Mais on l'a vu, il s'est pris entre guillemets beaucoup de vent, Rambo. Personne ne veut faire équipe avec lui. C'est une période très compliquée. Peut-être que ça lui ferait du bien ce soir, sans aucun doute, de remporter ce match en 1 contre 1 face à Georg Asgolar. Même si là, pour l'instant, on le voit matraqué par Georg Asgolar, qui va prendre de la vitesse malgré son gabarit. Un catcheur qui est capable de se mouvoir assez rapidement entre les cordes et de faire parler sa puissance. Même chose pour Rambo, avec son centre de gravité très bas. Ça peut être à son avantage ce soir face à Georg Asgolar, où il a tenté de l'emmener là. Il était bloqué, Georg, qui a fait contrepoids, mais il l'emmène une seconde fois et cette fois ça passe. La belly to back suplex portée par El Comandante Rambo en plein centre du ring. On sent le public un peu partagé entre le Blood Brother Georg Asgolar et Rambo. On a entendu des chants pour Georg Asgolar, des applaudissements pour Rambo. Voir qui va savoir se nourrir au mieux de l'énergie de cette foule ce soir à Summer Smash 9. Oh, quelle sale chute là pour Rambo, qui est retombé sur le coin des cordes, sur le tendeur. Georg Asgolar qui a parfaitement enchaîné avec une espèce de headbutt à la volée, un coup de boule. Georg Asgolar, un bon frère de sang, un bon Boots Brother, qui manque de respect à son adversaire là, en lui marchant littéralement sur la tête, en lui essuyant un semelle sur le visage. Rambo, un catcheur qui mérite énormément plus de reconnaissance, de respect que cela. Lui qui catch en Allemagne partout depuis des années, des décennies. Le vétéran Rambo qui prend de la vitesse. Oh, il esquive de Georg Asgolar, il s'est jeté tout seul. Là, je parlais de son expérience. Pour le coup, il a fait une erreur de jeunesse, Rambo, en quelque sorte. Et Georg Asgolar va le punir. Dégagement au compte de 2. Après cette grosse descente du coude, les plus de 100 kilos de Georg Asgolar qui se sont écrasés sur le corps de Rambo. Mais c'est pas suffisant pour venir à bout de l'ancien leader de la Black Guerrilla Army. Les coups d'avant-bras de Rambo à genoux, presque les coups du désespoir là. La grosse projection encore une fois, la puissance de Georg Asgolar qui pour l'instant dans ce combat est à son avantage. Il parvient à garder le dessus grâce à sa grande taille, à sa grande puissance également. Rambo ne trouve pas de solution dans ce match. Lui qui a besoin de se relancer. Ça semble pour l'instant bien mal embarqué pour El Comandante. Encore une projection. Bon, attention, cette fois-ci revient Rambo. La grosse clothesline au centre du ring. Gros coup de la corde à linge porté par Rambo, qui va aller chercher l'appui du public. Il en a besoin de cette énergie pour tenter de faire vaciller Georg Asgolar. Coup d'avant-bras
un deuxième. Et jamais 203. Attention, la puissance de Rambo, le body slam pour faire chuter Georg Gascolar. Attention, Rambo en place peut-être pour son package pile driver, tenter d'en finir rapidement. Oh, il a été esquivé, il a été contré. Le sunset flip qui est tenté par El Comandante, ça passe. Le tombé 1, 2. Oh, le dégagement de Georg Gascolar. Rambo de nouveau debout, qui se jette, mais qui se jette un peu trop justement sur Georg Gascolar, qui a contré avec une espèce de flapjack dans le coin. Oh, et ce gros coup là au porté au visage avec les deux mains, une sorte de double axe handle mais sans élan, porté par le membre des Boots Brûleurs. Combat très disputé entre deux hommes qui ne veulent pas lâcher, qui ont besoin de retrouver le goût de la victoire chez GWF. Attention, Rambo dans le coin, Georg Gascolar qui s'élance, l'esquive de Rambo, là il s'est jeté, c'était sauf qu'il peut. Gascolar qui retourne, Rambo qui l'a attendu, le spinebuster porté par Rambo. Les deux lutteurs au sol, besoin de récupérer. Rambo qui tente de retrouver des sensations là dans ses doigts, on l'a vu. Encore un coup de la corde à linge porté par Rambo. Georg qui se relève mais qui en prend tout de suite un deuxième. Les bons enchaînements là de Rambo, projection dans le coin. Et superbe la release butterfly suplex portée par El Comandante Rambo pour envoyer Georg Gascolar dans le coin. Il vient l'en sortir et un STO porté par Rambo. Le tourné 1, 2 et dégagement au compte de 2 sur ce STO, le fameux salade tomate oignon comme le dirait mon ami Sturi. Rambo sur la seconde corde. Oh, le coup de boule, Georg Gascolar qui l'a attendu. La projection dans les cordes. Qu'est-ce qu'il fait Georg Gascolar avec Rambo en position de Fireman's Carry. Le Fireman's Carry driver, le tombé 1, 2. Et le dégagement de Rambo. Georg Gascolar pensait en avoir fini. Allez, il enlève les bretelles. Il aura plus grand chose à faire en arrivant au parking, Georg Gascolar, pour se changer. Allez, coup d'avant-bras de Rambo pour essayer de faire vaciller Georg Gascolar, de retourner, ses choses faites. La powerbomb de Rambo, la puissance de Rambo, le tourné 1, 2 et 3, la victoire pour El Comandante Rambo. Und hier ist der Sieger aus der Dominikanischen Republik, Rambo. Alors, on dit souvent après une défaite qu'il n'y a plus qu'à aller se rhabiller au vestiaire. Eh bien, ce n'est même pas le cas pour Georg Gascolar. Non seulement il en est banni, mais en plus il va repartir de Berlin après avoir été défait par Rambo. Et de quelle manière! Une belle victoire pour Rambo qui se relance et qui va peut-être finir par trouver un partenaire avec ses belles performances. Qui sait? Das nächste Match ist angesetzt auf einen Fall. Und es geht um den German Wrestling Federation Berlin Championship. Auf dem Weg zum Ring. Et vous l'aurez compris, il est l'heure du match pour le titre de champion de Berlin de GWF. Voici le challenger. Mit einem Gewicht von 90 kg aus Paris in Frankreich. La sensation française, le guerrier du peuple, Vincent Volto. Annoncé par notre cher ami Olaf dans un français impeccable comme d'habitude. Voici le challenger au titre de champion de Berlin. Il nous vient de Paris en France. Il est le guerrier du peuple. Il est la sensation française. Voici Senza Volto. Senza Volto toujours accueilli en grande pompe par le public du Festsaal Kreuzberg de Berlin. Extrêmement populaire ici, Senza Volto, comme partout où il passe lorsqu'il porte ce masque, je tiens à le préciser.
aus Paris in Frankreich. La sensation française, le guerrier du peuple, Senzavolto. Senzavolto qui va tenter de récupérer ce titre de champion de Berlin qu'il a longtemps porté autour de la taille. Sein Gegner der German Wrestling Federation, Berlin Champion. Et voici l'homme qui va tenter de l'en empêcher, le champion de Berlin en titre. The German Wrestling Federation. Auf dem Weg zum Ring in Begleitung des Clans mit einem Gewicht von 85 Kilogramm aus 069 FFM. Er ist der Sieger des 2024er German Wrestling Federation Light Heavyweight World Cups und amtierender German Wrestling Federation Berlin Champion Ahura! Vainqueur plutôt cette année de la Light Heavyweight World Cup de GWF, le champion de Berlin en titre, représentant de Der Clan. Voici celui qui nous vient de 069 FFM. Frankfurt am Main, Ahura. Et ce n'est pas le même accueil que pour Senzavolto ici au FSI Kreuzberg. Ahura qui demande du bruit, c'est un peu plus compliqué. Ou alors on entend des sifflets, des huées. Aus 069 FFM, German Wrestling Federation Berlin Champion, Ahura! Ahura prêt pour une défense du titre de champion de Berlin face à un homme qui connaît très bien cette ceinture pour l'avoir portée pendant de nombreux mois. Gros défi pour Senzavolto que d'affronter un champion aussi en place qu'Ahura, lui qui a été jusque maintenant une réussite totale après avoir rejoint Der Clan. Et le public de Berlin a choisi son camp, tout comme vous je le pense, dans le chat en première diffusion ou dans les commentaires. Envoyer sur le chat des Senzavolto pour que l'on ramène le titre de champion de Berlin à la maison, pourquoi pas, avant le week-end de Double Impact. Il y aurait de très grosses affiches à proposer avec Senzavolto en tant que champion de Berlin face aux lutteurs de Rev Pro Wrestling qui seront présents. Je pense notamment à El Fantasmo, à Michael Oku. On peut faire un petit peu de fantasy booking là, entre guillemets, on peut se laisser rêver, mais pour ça, bien, ça passe par une victoire de Senzavolto face à Ahura, ce qui ne sera pas une mince affaire. C'est parti entre les deux hommes. Et comme le chante le public de Berlin, on va se taper dessus. Auf die Fresse. Et Senzavolto qui n'a pas eu d'or autour de la taille chez GWF depuis très longtemps, qui a été un petit peu plus absent cette année, lui qui a été champion de Berlin plusieurs fois pour un total de 351 jours passés avec ce titre. C'est dire l'importance de ce titre dans la carrière de Senzavolto et l'importance de Senzavolto dans le palmarès de cette ceinture ici si prestigieuse chez GWF. 351 jours cumulés, c'est presque une année passée entièrement en tant que champion de Berlin. Et s'il venait récupérer ce titre pour aller étendre ce record, Senzavolto, pour ça il va falloir faire parler son catch face à un Ahura qui n'est pas en reste et qui enchaîne les succès depuis qu'il a rejoint Der Clan en tant que participant de la Light Heavyweight World Cup. Il a ensuite remporté ce tournoi, il est venu battre Crochester pour récupérer ce titre. Et désormais, combien le défendre ? Ouais.
Et pour l'instant, on se teste, on se jauge entre Senza Volto et Aura. C'est un début de combat plutôt calme, plutôt technique. Entre les deux hommes qui se connaissent déjà, qui se sont déjà croisés sur le ring, notamment du côté de WXW en Allemagne, et pas seulement. Le collier de tête bien porté par Aura. Senza Volto qui va tenter de s'en défaire avec une projection dans les cordes, c'est chose faite, mais Aura qui revient avec un gros coup de bélier pour envoyer Senza au sol. La projection dans les cordes, Senza qui plonge sous les jambes de son adversaire comme il sait très bien le faire. Aura qui passe au-dessus. Aura qui nous fait presque du Senza Volto là. Très agile, très rapide également. Le lutteur de Francfort est superbe. Le springboard tire là, porté par le guerrier du peuple. Et ce soir, il n'aura jamais aussi bien porté son nom, Senza Volto, son surnom. Le guerrier du peuple, lui qui est encouragé par tout le Faisal Crossberg et par tout le chat, j'en suis sûr. Sauf si Sturi est présent sur le chat, peut-être, on le sait, le grand fan d'Aura. Attention, Senza Volto qui a été coupé là sur cette tentative de manœuvre aérienne. Et de quelle manière Aura qui est venu lui envoyer la troisième corde dans l'entrejambe, purement et simplement pour venir calmer les ardeurs de Senza Volto. C'est là toute la malice d'Aura, cette malice, cette ruse, cette intelligence parfois borderline légale qui lui a permis d'aller chercher la Light Heavyweight World Cup, d'aller chercher ce titre de champion de Berlin et qui peut lui permettre de le conserver ce soir face à la sensation française. L'étranglement sur la seconde corde sous le compte de l'arbitre dont il n'a que faire Aura visiblement. Il est en train de même tchatcher, discuter avec l'arbitre avec son arrogance, son insolence naturelle. Ah, il est en train de taper la discute avec l'arbitre avec le pied sur la glotte du Senza Volto. Il y a Aura qui vient tenter là, de lui arracher le masque. Attention, on connaît l'importance de ce masque pour Senza Volto. On a peur également de ce qui peut se passer si jamais Senza venait à le perdre sur ce ring. On sait qu'il n'est pas le même lorsqu'il ne le porte pas. On a envie de voir Senza Volto ce soir. Gros Atemi porté par Aura. Senza qui répond avec des coups d'avant-bras pour faire reculer le champion de Berlin en titre. Senza qui tente de faire prendre de la vitesse à Aura. C'est fait, il l'a envoyé dans le coin. Mais il l'attendait avec ses semelles, Aura. Senza de nouveau au sol à la merci du champion de Berlin. Aura dans la provoque qui demande au public, Senza, comment ça Senza? Et encore une fois, là, on vient lui étirer le masque sous le compte de l'arbitre. L'arbitre qui a du mal, comme tous les arbitres, j'ai envie de dire, face à Aura, à faire respecter le règlement. Encore cet étranglement, il en profite vraiment jusqu'au compte de 3 voire 4 sur les 5 secondes autorisées. Le public du Faisal Crossberg qui rappelle que lorsqu'on appelle Senza Volto, on l'appelle 3 fois pour tenter là de lui redonner un peu d'énergie. Ouais, l'esquive d'Aura sur le tablier du ring. Aura qui va s'envoler. Le springboard dropkick parfaitement exécuté par Aura. La beauté de cette manœuvre, mais également sa précision. Et attention, il n'y en a pas terminé. Aura, Senza à l'extérieur. Aura qui va le suivre. Oh, le springboard tornillo porté par Aura qui nous fait de la lucha libre face à un luchador ce soir. On ne peut pas lui enlever son talent, Aura. Même si dans ses attitudes, il est parfois répréhensible, il n'en demeure pas moins que c'est un lutteur extrêmement talentueux. Il est en train de nous le prouver ce soir pour l'instant. Il fait le combat parfait face à la sensation française. Ouais, c'est un terrain qu'il aime bien, Aura, à l'extérieur du ring. C'est un environnement qu'il apprécie. L'arbitre qui va tenter de les suivre pour ramener les deux lutteurs à la raison. Attention à qu'est-ce qu'il prépare Aura, il va pas faire une souplexe sur les chaises là. C'est la pire idée là pour Senza Volto. Faudrait surtout pas qu'il parvienne à la concrétiser.
Les jeunes membres là, de la sécurité qui viennent tenter d'arrêter Aoura. Et ça permet à Senza Volto de revenir, j'allais dire. Mais Aoura là qui est en train d'agresser ces jeunes membres du staff. Ils n'ont rien demandé. Ils sont juste venus ramener Aoura à la raison, qui a failli balancer Senza à l'extérieur. Attention! Le staff balancé sur Senza Volto maintenant. Aoura qui a décidé là de faire sa loi au fesses Sai Crossberg. Il y aura peut-être des sanctions hein, pour Aoura après ses agissements. On sait que Ahmed Shir veut faire respecter le règlement. On l'a vu avec cette décision. Encore une fois, les membres de Derklan n'ont pas pu accompagner Aoura jusqu'au ring. Il pourrait être sanctionné là pour ses actes sur le staff. On essaiera de suivre ça peut-être sur les réseaux sociaux s'il y a des annonces. Pour l'instant, le combat continue. L'esquive là de Senza Volto, qui se réfugie en quelque sorte dans le coin, qui vient accueillir Aoura avec un coup de coude. Gros big boot maintenant. Le kick, ça a été bloqué, ça a été contré par Aoura. La projection dans le coin opposé. Aoura qui va le suivre. Oh, l'esquive de Senza Volto qui prend de la vitesse. Le cannonball porté par le guerrier du peuple. Magnifique. Le tombé 1, 2. Et le dégagement d'Aoura au compte de 2. Allez, cette cannonball qui peut insouffler une nouvelle dynamique à ce combat, peut-être en faveur du français. Combat qui a été jusque maintenant très compliqué face au champion de Berlin en titre. Senza qui va monter sur les cordes pour nous sortir une manœuvre à haut risque. Que prépare Senza Volto sur la seconde corde, sur la troisième désormais. Oh, il a pris trop de temps, Senza. Aoura qui vient le chercher, attention, ça peut être très dangereux. La Senza qui parvient à se défaire de cette position qui semblait scabreuse. Et coup d'avant-bras au centre du ring entre champion et challenger. Sous les réactions du public, toujours en faveur de Senza Volto, les esquives d'Aoura, le coup de genou, gros coup d'avant-bras. Quel big boot. Senza qui revient avec un coup de pied à son tour. Aoura, coup d'avant-bras. On ne lâche pas, c'est dû à toi, à moi, là, entre le champion de Berlin et le challenger. Encore ce gros big boot. Et le Enzugeri de Senza pour faire reculer Aoura. La projection dans les cordes. Le handspring. Oh, il a été attendu. Et la deadlift. German suplex. Le tombé 1, 2. Et dégagement de Senza au compte de 2. Quel contre d'Aoura. Senza qui partait sans doute pour son handspring cutter. Aoura qui a bien étudié son adversaire, qui l'attendait et qui l'a magnifiquement surpris là avec une German suplex pour venir lui éclater la nuque en plein centre de ce ring. C'est pas suffisant pour obtenir un compte de 3. Mais Aoura va avoir tout le loisir d'enchaîner. La tentative de pile driver, attention. Senza qui s'en sort avec un back body drop. Quel match pour le titre de champion de Berlin ce soir à Summer Smash. On lance parfaitement ce week-end qui va nous mener ce vendredi 30 août, ce samedi 31 avec Double Impact. Et dimanche avec Battlefield. Senza Volto sur la troisième corde. Oh, attention. L'esquive d'Aoura met la roulade de Senza Volto pour revenir sur ses pieds. Bicycle kick vers l'extérieur. Attention, Senza qui va rejoindre Aoura sur le tablier attendu par le champion de Berlin. Attention là, ça peut être terrible s'il place ce pile driver sur le tablier. Le pile driver porté par Aoura qui vient d'éclater la nuque de Senza Volto sur la partie la plus solide, la plus dure du ring. Là où se trouve l'armature, tout simplement. Et il va enchaîner Aoura qui revient dans le ring. Oh, superbe. Cet écrasement d'Aoura. Le tombé 1, 2. Et dégagement de Senza Volto. Comment parvient-il à se dégager après ce gros enchaînement, après ce pile driver à l'extérieur
Aura qui a bien décidé d'en finir avec ce combat avec son adversaire. Senza semble totalement à la merci du champion de Berlin en titre. Il s'est dégagé un peu à l'instinct là. C'est l'instinct du catcheur, mais il n'y a plus grand chose dans le moteur de Senza Volto pour tenter de répondre aux assauts d'Aura. Les Senza qui va peut-être nous faire mentir là avec des coups d'avant-bras au visage sur les cordes. Le coup de boule pour faire reculer Aura. Quel atemi porté par le champion de Berlin. Il va venir le chercher d'un seul bond à Aura sur la troisième corde. Aura qui a envie de prouver qu'en termes d'agilité, il n'a rien à envier à son adversaire du soir. Attention, la souplexe qui a été contrée. C'est une souplesse ventrale qui a été portée là depuis la troisième corde par Senza Volto. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner ? Senza sur la troisième corde. Aura qui s'éloigne et qui roule vers l'extérieur du ring. Attention, Senza qui enchaîne. Superbe, le handspring kick. Il n'en a pas terminé. Senza Volto, le topé suicida, porté par le challenger. Aura ramené dans le ring. Senza, très intelligemment, qui sait qu'il ne peut pas remporter le titre à l'extérieur. Et le handspring cutter qui passe cette fois. Allez, si c'était le moment pour Senza Volto. Le code red, le tombé 1, 2 et 3 non. Le dégagement d'Aura. Senza Volto qui n'est pas passé loin de redevenir champion de Berlin de GWF sur ce magnifique enchaînement. C'était sans compter sur la résistance du champion de Berlin en titre, lui qui a remporté la Light Heavyweight World Cup cette année après un combat plus une finale à élimination. On sait dire la résistance d'Aura, il va être dur à aller chercher ce champion, mais ça passe peut-être par le Eiffel Tower qui était tenté là par Senza Volto, mais Aura qui vient juste le mordre pour empêcher de porter cette manœuvre. Et l'esquive de Senza, on s'esquive l'un l'autre là au centre du ring. Le coup de coude de Senza Volto, attention, Aura qui balance Senza sur l'arbitre. Senza qui a freiné sa course, mais le drop kick, le missile drop kick qui envoie Senza Volto cette fois de plein fouet sur l'arbitre du combat. Oh, c'est pas vrai, on n'a plus d'arbitre pour ce match de championnat et qui sait ce qui peut se passer avec Aura quand on n'a plus d'arbitre sur le ring. Déjà que lorsqu'on a un arbitre, il étrangle son adversaire à tout va, il flirte avec les règles. Alors quand on n'en a pas, ça ne peut être que pire. Oh, attention, superbe manœuvre là d'Aura, mais on n'a pas d'arbitre pour faire le tomber après ce drop kick. Aura qui aurait sûrement pu faire le tomber là sur Senza Volto pour conserver son titre. Mais l'arbitre n'est pas en mesure de faire le tomber. Oui, Aura qui vient chercher cette ceinture, ce titre. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête, Aura? Il vient chercher l'arbitre. Un peu de raison dans l'esprit d'Aura. Je vais peut-être parler un peu trop vite là. Qu'est-ce qu'il cherche sous le ring? Il s'empare d'une chaise qui était sous ce ring de Berlin. Senza qui a du mal à se remettre là des assauts d'Aura. Et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. Aura sur le ring avec cette chaise. Prêt à l'envoyer sur Senza Volto. C'est pas vrai. Ah, le gros coup de chaise d'Aura dans le dos du challenger. Aura qui profite de la situation comme on aurait pu s'y attendre. Le champion de Berlin en titre qui profite de l'absence d'arbitre pour envoyer cette chaise dans le dos de Senza. Il va le refaire. Oh, il se l'est pris dans la tête. Cette chaise qui a rebondi sur les cordes après l'esquive de Senza. Est-ce que ça va pas se retourner contre lui? Le handspring cutter qui passe une deuxième fois. Et Senza Volto qui n'a pas non plus d'arbitre pour faire le tomber. Il va enchaîner. Le best moonsault ever qui passe. Allez, le tomber là. Il y a un, il y a deux et il y a trois.
Senza Volto devrait être champion de Berlin, mais il n'y a pas d'arbitre, toujours pas. C'est pas vrai. L'arbitre complètement KO après avoir reçu Senza Volto de plein fouet sur ce missile dropkick d'Aura. Senza qui vient le rechercher. On va le ramener dans le ring. Pas sûr que ça aille beaucoup mieux. Il a l'air d'être complètement KO, Grody. Mais attention, cette chaise qui traîne encore entre les mains d'Aura. Senza l'a vu intelligemment. Et si l'arbitre se retourne et qu'il comprend que la chaise a été utilisée, on aura peut-être une disqualification dans ce match. Et attention Senza, l'arbitre se relève. Ne pas faire de bêtises là dans ce match de championnat. Senza Volto qui veut se venger des coups de chaise. L'arbitre qui la lui retire des mains pour lui éviter la disqualification. Attention, dans le dos de l'arbitre Aura qui s'était emparé du titre. C'est pas vrai, l'arbitre qui remettait cette chaise là au staff et Aura qui a asséné un gros coup de ceinture au visage de Senza Volto. Le tombé 1, 2 et 3, la victoire d'Aura, toujours champion de Berlin. Und hier ist der Sieger. Und weiterhin, German Wrestling Federation, Berlin Champion. Aus 069 FFM, Pum Clan. Oui madame, vous avez raison. Aura ne mérite rien d'autre que ce genre de geste. Il parvient donc à conserver son titre de champion de Berlin en battant Senza Volto, mais de quelle manière, après lui avoir asséné ce coup de ceinture de champion dans la tête. Aura conserve le titre de champion de Berlin ce soir à Summer Smash. Et on le retrouvera ce week-end pour le défendre à nouveau lors de Double Impact et Battlefield. Frankreich hat gewählt, Europa hat gewählt, aber die wichtigste Wahl, die hattet natürlich ihr, die Fans der German Wrestling Federation, denn es ging darum, wer ist in Zukunft Präsident der German Wrestling Federation. Drei Gruppierungen standen zur Wahl, die kommen jetzt zum Ring und dann gibt es das offizielle Ergebnis, denn die Wahlen enden genau jetzt. Ich rufe in den Ring das Team Nummer 1, das sich zur Wahl gestellt hat, um Ali Aslan, den Clan. Et c'est donc maintenant que l'on va découvrir les résultats des élections de GWF qui va reprendre le flambeau. Cem Kaplan, Sorani, Palevanima und der Original Flying Dragon, der King of Hardcore, Ali Aslan, der Clan. Ahmed Shir va-t-il rester à la tête de GWF ou bien la direction va-t-elle changer? Est-ce que Der Clan a remporté le vote? Est-ce que c'est Ali Aslan et ses sbires qui vont prendre les décisions désormais, chez GWF? Die zweite Gruppierung, die sich zur Wahl gestellt hat, natürlich die Blutsbrüder. Ou alors, est-ce que ces élections, ces votes des fans, ont été remportés par les frères de sang, les Blutsbrüder? Erkan Sulzani, Carlos Gaggero, Evil, Jared Hasselhoff, Georg Ascola, die Blutsbrüder. Mené par Erkan Sulzani ce soir, est-ce que les Blutsbrüder vont officiellement régner sur GWF pour pouvoir décider des combats, des règles? Ah, c'était le projet évidemment de John Klinger de Bad Bones, à qui on pense très fort ce soir. Les Blutsbrüder vont-ils prendre les rênes chez GWF? Est-ce que ce sera Der Clan ou bien les frères Shir? Vont-ils continuer de faire la loi? On va le découvrir. Ça fait des mois que les fans peuvent voter, ça fait des mois que vous pouvez voter. Le résultat, c'est maintenant. Und natürlich das dritte Team, die bisherigen Chefs der German Wrestling Federation,
die Cheer-Brüder. Voici donc les frères Cheer, Mike et Ahmed. Ahmed Cheer, l'actuel CEO de GWF, c'est le patron, c'est le boss. Mike Cheer, Ahmed Mohamed Ali Cheer, the Cheer Brothers. Est-ce qu'ils vont le rester ? Bien, est-ce que Derklan ou les Blues Brothers vont prendre ce rôle ? Ah, c'est un moment extrêmement important, ça peut être un tournant dans l'histoire de GWF. Le résultat de ce vote, vous imaginez si Ali Aslan devenait celui qui prenait les décisions chez GWF. Bien, si les Blues, si les Blues Brothers venaient à décider. Aufgeregt. Jetzt geht's um was. Jetzt geht's richtig um was. Das offizielle Ergebnis der German Wrestling Federation Präsidentenwahlen. Présenter le résultat des élections présidentielles de GWF. Ah, on se croirait vraiment là lors des élections en politique. Ah, on voit le résultat des votes, mais pour l'instant on ne sait pas quelle jauge correspond à quel groupe. Oh, il y a un groupe qui a pris une claque, hein, 13%. Alors ça n'a même pas de siège à l'Assemblée. Par contre, ça a été serré, là, 45% et 42%. C'est Derklan qui a obtenu que 13%. Allez, Ali Aslan, ton projet présidentiel, tu peux le mettre à la poubelle. Tu vas pouvoir revoir ton plan de campagne. J'espère qu'il t'a pas coûté trop cher. Par contre, qui a les 45% là ? Qui a la majorité ? Les frères Cheer gardent-ils le pouvoir ou bien est-ce que c'est les Blues Brothers qui s'en emparent ? Ça a été extrêmement serré. Hein. Les fans ont eu du mal à se décider. Par contre, ce qui n'a pas été serré, c'est les résultats d'Ali Aslan qui est fou de rage de voir qu'il est mis dehors de la sorte. Attention là, Mike Cheer qui s'est emparé d'une chaise, qui a envie d'en découdre avec Ali Aslan. Ah, il faut faire sortir Ali Aslan, c'est pas possible. Gesittet. Alors, ich nehme schon mal Abstand. Wer ist raus? Wer ist ab sofort? Ou les Blues Brothers. Die neue Präsidentschaft der German Wrestling Federation, das Ergebnis genau jetzt. Ahmed Cheer garde-t-il le pouvoir? Oh, c'est les Blues Brothers, les frères de sang, les Blues Brothers qui prennent le pouvoir de GWF. Das Team der Blues Brüder, Carlos Gageo, Erkan Sulzani, Evil Jared Hasselhoff und Georg Ascola. Les Blues Brothers prennent les rênes de GWF, ils ont remporté ce vote qui a été initié par Ahmed Cheer. Il doit être en train de regretter. Alors, Ahmed Cheer pour 3% en plus. Eine neue Chefetage in der GWF. Et Olaf qui annonce officiellement qu'il y a désormais une nouvelle hiérarchie chez GWF en ce qui concerne la prise de décision. Et Arkan s'en félicite. Et le public, très justement, qui envoie ses pensées à la mémoire de Bad Bones, qui aurait adoré voir ça. C'est l'occasion de lui rendre un nouvel hommage à John Klinger, Bad Bones. Les Blues Brothers prennent le pouvoir de GWF. Et visiblement, le public du FSA Kreuzberg a l'air ravi. Je ne sais pas quelle est votre réaction, okay, dites-nous dans le chat. Vor 5 secondes gefallen, aber jetzt können wir alle die Schnauze halten, okay? Alors, vous pouvez la fermer pendant juste quelques minutes. Die Blues Brothers haben die Wahlen gewonnen. Les Blues Brothers ont gagné le vote. Der Clan, ihr könnt euch heute verpissen. Für euch war es vous pouvez rentrer chez vos mères. 13%. Allez chouiner, c'est terminé. Au revoir. Raus, alle raus. Ihr habt Feierabend. Feierabend, raus, verpisst euch. Il va vite prendre goût à cette nouvelle place, là, j'ai l'impression. Ouais, il est en train de provoquer Palevan Lima. Il vient ici, okay, Palevan, il vient à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le virer, il va lui mettre une amende. Alles klar, ich kann nichts machen, ja? Alles klar. Alors il dit que je peux rien faire, Erkan Garbicht. Alors ce soir, je vais te montrer que je peux tout faire. Toi contre moi, on a contre un. Alors visiblement, le défi est accepté pour Palevan Lima. Et Arkan Zulsani qui veut dire qu'il peut tout faire, Arkan Alès. Palevan Lima qui lui rétorque Erkan Garnier, c'est qu'il ne peut rien faire.
Erkan Zuzanin lui dit on verra ça plus tard dans la soirée, va te préparer. Ah, il était prêt, Palevan Lima, par contre. Il avait envie d'en découdre tout de suite. Ahmed Mike. Ahmed Mike. Hey, ihr könnt euch auch verpissen, komm raus mit euch. Vous pouvez vous barrer maintenant, c'est chez nous ici. On va quand même pas virer Ahmed Shir comme ça. Lui qui est le patron depuis tant d'années. Mike à ses côtés. Non, komm mal gut zurück, Alors, alles gut. Erkan qui leur dit de revenir. Komm, wir wollen ja nicht so sein. Also Leute, wir werden jetzt das allerneueste Mitglied der Bluesbrüder euch von ganzem Herzen vorstellen. Soir, on doit annoncer un nouveau membre des Bluesbrüder. Dieses Mitglied vorzustellen. Carlos. Oui, Mike. Mike qui vient de mettre un coup de chaise à Ahmed Shir. Il vient de porter un coup de chaise dans le dos de son frère et c'est lui le nouveau membre des Bluesbrüder. Mike Shir. Hey, was los? Warum steht ihr da hinten? Oh, c'est pas possible. Est-ce que c'était le plan depuis le début pour les frères de sang? Bluesbrüder for life, Mike Shir qui vient de trahir son propre frère d'un coup de chaise dans le dos et qui rejoint le pouvoir, qui rejoint les Bluesbrüder, pardon. Oh, j'en reviens pas. C'est pas possible, il a pété les plombs, Mike Shir. Ahmed, die ganzen Jahre arbeiten wir zusammen hier in der GmbH. Tous les ans. Und jedes Mal euch von jedem einzelnen Wrestler da drinnen, Ahmed. Et à chaque fois, Ahmed, tout le monde n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est Ahmed. Ahmed, hier, Ahmed, selbst Ahmed. Bei meinen Auftritten höre ich, Ahmed ist Promoter. Ahmed, c'est le promoteur. Stuntman, Drehbuchautor, Ahmed. Regisseur. C'est celui qu'on appelle toujours quand on a besoin de quelque chose. J'ai tellement fait avec toi pour le monde du catch. Je mérite du respect. Je mérite d'être reconnu. Et chez les Bluesbrüder, au moins tout le monde sera égal. Mike Shir visiblement frustré d'être dans l'ombre de son frère, c'est pas possible. Quand un membre des Bluesbrüder est champion, on est tous champions, lui dit Mike Shir. On est d'accord, mais pour l'instant je vois pas de titre chez les Bluesbrüder. À partir de maintenant, tout sera différent, vient de dire Mike Shir. Mike, le nouveau membre des Bluesbrüder. Et Ahmed Shir a l'air aussi choqué que je le suis, que vous l'êtes sûrement. Mike Shir vient de trahir Ahmed et de rejoindre les frères. Da kommt was auf uns zu mit den Blutsbrüdern in der Chefetage. Das kann heiter werden. Was auch auf uns zukommt, ist jetzt das nächste Match von Summer Smash 2024. Berlin, are you ready for this? Das nächste Match ist angesetzt auf einen Fall. Auf dem Weg zum Ring. Et on va essayer de se remettre de cette trahison de Mike Shir avec un nouveau combat en 1 contre 1. Shizuoka in Japan, von Pro Wrestling Noah, Taishi Osawa. Et c'est un changement d'ambiance totale avec celui qui nous vient de Shizuoka au Japon, représentant de Pro Wrestling Noah. Voici Taishi Osawa. Il s'avance au ring pour un nouveau match en 1 contre 1, Summer Smash. On va essayer de se remettre de nos émotions, là, de cette trahison de Mike Shir sur son propre frère. Je sais pas trop comment ça va se dérouler. L'ambiance à Berlin ce week-end va être tendue, je pense. Je vais être dans un environnement un petit peu compliqué, mais ça va aller, je vais y aller quand même. Taishi Osawa donc sur le ring pour affronter nul autre qu'un ancien champion du monde de GWF que l'on va accueillir dans quelques secondes. Mit einem Gewicht von 88 Kilogramm. Made in GWF, der Baba von Berlin, Michi Ha! Il a
Made in Berlin, Made in German Wrestling Federation, Der Papa von Berlin, ancien champion du monde, ancien champion par équipe aux côtés d'Axel Tischer. Voici venir Meteran, accueilli comme il se doit par le public de Berlin, sans aucun jeu de mots, hein, comme il se doit. C'était pas fait exprès, j'en suis fier quand même, elle est pas mal. Meteran contre Taichi Ozawa, nouvelle affiche très alléchante pour GWF Summer Smash 9. Qui aura à cœur de se relancer ce soir en solo face à Taichi Ozawa après l'échec, le revers subi à Rising Heat en compagnie d'Axel Tischer, qui était champion par équipe jusque-là aux côtés de DX-Man. La mésentente entre ces deux hommes leur a coûté les titres de champion par équipe, titres remportés par Two Sweet Heroes, Pascal Spalter et Taj Bar, qui les ont, on l'a vu plutôt dans la soirée, défendus avec succès face à Der Clan. Meteran va tenter de vite oublier cette défaite, cette perte des titres qui comptait énormément pour lui. On l'a vu expliquer à Axel Tischer que c'était quelque chose de très important dans sa carrière de garder ses titres de champion par équipe. Ils ne sont malheureusement pour eux pas parvenus à le faire. Et ce soir, Meteran va tenter de remettre, de repartir sur une dynamique positive. Ça passe par une victoire face à Taichi Ozawa, un lutteur extrêmement talentueux qu'on a déjà eu l'occasion de voir sur le ring de GWF. Il nous a montré qu'il avait extrêmement de talent, ce garçon. Il est venu à bout notamment de John Klinger en 1 contre 1 plus tôt dans l'année. Et il est encouragé par la foule, le représentant de Pro Wrestling Noah, Taichi Ozawa. Superbe arm drag porté par Meteran. Tu vas venir regarder Taichi Ozawa au sol. Le petit coup de vis là par Meteran avec cette main au visage de Taichi Ozawa. On est venu tordre le nez de son adversaire. Taichi Ozawa qui s'en sort avec de la technique, qui passe derrière Meteran, le collier de tête, c'est bien enchaîné. On vient ramener Meteran au sol, la prise qui est bien gardée. Meteran qui parvient à se relever malgré tout pour aussitôt repartir au sol. Quel enchaînement là de Taichi Ozawa qui prend le dessus sur un adversaire qui arrive un petit peu en perte de confiance. Il va essayer d'en profiter, Taichi Ozawa. Les encouragements du public. On encourage Taichi Ozawa à garder cette manœuvre, mais Meteran est parvenu à s'en défaire. La projection dans les corps, donc passe au-dessus, on passe en dessous. On repasse en dessous la roulade et un dropkick au visage. Superbe cet enchaînement de Meteran. Il n'est pas ancien champion du monde pour rien. Il n'est pas ancien champion par équipe pour rien, Meteran. Lui qui a également combattu un peu partout dans le monde, comme le fait actuellement Taichi Ozawa, actuellement en tournée en Europe, avant de regagner le ring probablement de Pro Wrestling Noah, comme c'est la tradition au Japon. Il est un jeune lutteur qui est amené à réaliser de grandes choses dans sa carrière au pays du soleil levant. Mais d'abord on l'envoie un petit peu rouler sa bosse sur les rings du monde entier, et notamment ici à Berlin, pour gagner en expérience, pour gagner en maturité et revenir en forme et prêt au Japon, chez Pro Wrestling Noah. Et c'est important également pour les lutteurs en excursion, comme on le dit. Attention, le dégagement, la compte de deux. Il vient de remporter des victoires, tout simplement pour revenir plein de confiance du côté de la Noah. Taichi Ozawa aimerait beaucoup revenir au pays avec une victoire face à
un lutteur aussi établi en Allemagne que Metehan. Et Metehan, de son côté, je l'ai dit, a besoin de se relancer après la perte des titres de champion par équipe avec Axel Tischer lors de Rising Heat. Son record, c'est désormais Taishi Ozawa qui est-ce qui va en passer en haut, dessus et en dessous. Le coup de pied dans l'abdomen, Ozawa qui enchaîne, superbe. Taishi Ozawa sur la troisième corde, le moonsault, il est revenu sur ses pieds, magnifique. Et le standing shooting star, l'agilité de Taishi Ozawa, le tombé 1. Et seulement un compte 2 hein, sur ce très bel enchaînement porté par le japonais. Il va reprendre de la hauteur Ozawa pour s'écraser à nouveau sur Metehan. Metehan qui roule intelligemment à l'extérieur du ring, l'expérience de Papa von Berlin Metehan. Et encore une fois, l'expérience qui parle. Taishi Ozawa qui a tenté là un sliding dropkick et Metehan l'a attendu pour le coincer entre le ring et la jupe. Et le dropkick de Metehan en appui sur le tablier. Super manœuvre de Metehan à l'extérieur du ring qui vient mettre KO Taishi Ozawa. Metehan qui ramène Ozawa dans le ring. Ozawa encouragé par le FSA et Krosberg. Il a déjà montré tellement de belles choses sur ce ring de Berlin que le public a envie de l'encourager, envie de le revoir évidemment et de le voir gagner. Le coup d'avant qui pleuve, Metehan qui répond avec un coup de pied dans l'abdomen. La projection dans le coin. Ozawa qui passe au-dessus, superbe. Oh, il a tenté une deuxième fois, mais l'expérience encore une fois de Metehan qui parle, c'est là toute la difficulté pour des jeunes catcheurs comme Taishi Ozawa de répondre à l'expérience de lutteurs comme Metehan. Tombé, dégagement au compte de deux après ce neck breaker sur le genou, l'une des spécialités de l'Allemand. Et Taishi Ozawa qui se tient l'arrière de la tête, ce neckbreaker qui a bien sûr fait beaucoup de dégâts. Metehan qui enchaîne, qui ne laisse pas son adversaire récupérer un body slam au centre du ring. Metehan, comme à son habitude, qui parvient à installer son faux rythme qui lui convient si bien et qui lui permet de garder le dessus aussi bien physiquement mais également psychologiquement sur son adversaire. C'est là toute l'intelligence également de Metehan, un catcheur extrêmement intelligent entre les cordes. Il prend le temps de récupérer entre chacune de ses manœuvres, de réfléchir également à quel sera le prochain coup ou la prochaine prise portée. Et encore un body slam, on vient insister sur le dos de Taishi Ozawa qui pour l'instant semble avoir bien du mal à récupérer. Et malgré les encouragements du FSA Krosberg, Taishi Ozawa est bien en difficulté face à Metehan ce soir. Il va falloir trouver quelque chose, trouver la clé pour faire tourner ce combat dans l'autre sens si Taishi Ozawa veut espérer remporter la victoire. Ah, et Metehan qui vient lui tordre la nuque, le cou là avec ses jambes. Ça va pas arranger le cas de Taishi Ozawa. Metehan qui continue son travail et qui va maintenant placer Boston Crab. Oh, l'esquive là. Taishi Ozawa, il en a vu, il en a subi des Boston Crab au Japon. Il a parfaitement su comment retourner la situation. Il y a peut-être une ouverture là pour le japonais. Metehan qui se fait accueillir par la botte de Taishi Ozawa. Oh, la tentative de missile dropkick, mais il était attendu et cette fois Metehan qui place son Boston Crab. La prise de soumission est bien exécutée. Ozawa qui va devoir atteindre les cordes s'il veut s'en sortir. Ah, et Metehan très intelligemment qui le ramène en plein centre du ring. On vient l'éloigner au maximum de ses cordes salvatrices. Il est parvenu à s'en rapprocher, il parvient même à les attraper.
Taishi Ozawa qui fait casser la prise. Etienne, tu vas, comme d'habitude, prendre un peu de temps pour récupérer, pour réfléchir à quelle sera la prochaine manœuvre à exécuter pour tenter de venir à bout du jeune catcheur japonais. Coup d'avant-bras. Ozawa qui vacille, mais qui ne chute pas un deuxième. Et il va même répondre, Taishi Ozawa, avec un coup d'avant-bras à son tour. Et c'est dû à toi, à moi, au centre du ring. À l'avantage de Taishi Ozawa avec ses gros coups d'avant-bras là qui font reculer l'ancien champion du monde de GWF. Metehan qui répond à son tour avec un gros enchaînement de forearm. La Rolling Elbow accueillie avec une claque. Quel contre de Taishi Ozawa tout simplement. Grosse claque au visage à la japonaise. La projection dans les cordes. Ouais, coup de pied pour venir calmer les ardeurs de Taishi Ozawa qui semblait reprendre un petit peu de vie dans ce match. Bon, attention, Ozawa qui a réussi à l'emmener avec un schoolboy. Et ça a obtenu seulement un compte de 2. Oh, le victory roll cette fois, c'est bien placé, le tombé 1, 2, dégagement. Ozawa qui lâche ses dernières cartouches là pour tenter de surprendre Metehan dans un combat très compliqué. La roulade du japonais, quelle esquive. Un coup de pied dans l'abdomen. Metehan qui va tenter de l'emmener avec une souplex, mais le contre, Stun Dog Millionnaire de Taishi Ozawa. Un gros dropkick pour envoyer Metehan au sol. Allez, il y a peut-être une ouverture là pour Taishi Ozawa. Superbe le flatliner. Le tombé, est-ce que c'est suffisant? 1, 2 et dégagement. Seulement un compte de 2 après cet enchaînement de Taishi Ozawa. Allez, il vient de placer Metehan. Qu'a-t-il en tête? Standing moonsault, ça passe, le tombé 1, 2 et dégagement au compte de 2. Le public du Fessa Crossberg qui comprend que ce combat est en train de tourner à l'avantage du jeune Taishi Ozawa. Il a de nouveau positionné Metehan, cette fois il monte sur les cordes pour placer sûrement un nouveau moonsault. Ah, et Metehan qui vient lui faire perdre l'équilibre intelligemment juste avec une pression sur les cordes. Ah, magnifique, espèce de Falcon Arrow porté par Metehan, le tombé 1, 2 et dégagement in extremis. Un compte de 2,5 là pour Metehan, il s'en est fallu de peu, mais Taishi Ozawa qui résiste, qui est toujours dans le match. Metehan qui est en train de se poser des questions, se demander jusqu'où il va devoir aller pour venir à bout de ce diable de japonais. Ozawa, nouveau coup d'avant-bras porté par Metehan qui s'acharne. Oh, et la provoque à la japonaise. Il lui dit, montre-moi ce que t'as dans sa langue natale, la Metehan. Taishi Ozawa, c'est peut-être pas une bonne idée de venir provoquer un jeune lutteur japonais de la sorte. Ouais, le petit coup de pied de Metehan pour venir casser cet enchaînement de coups d'avant-bras de Ozawa. Projection dans les cornes, il était accueilli Metehan avec un nouveau coup d'avant-bras. Il répond à son tour. Bon, attention, la closing qui a été esquivée. Oh, German Suplex, mais il revient sur ses pieds Metehan avec une facilité assez déconcertante. Closing esquivée, mais pas la deuxième. Incroyable cette lariat de Metehan. Le tombé 1, 2 et 3, non. Encore un dégagement de Taishi Ozawa. Et on lit de plus en plus de frustration, presque du dépit là, sur le visage de Metehan qui ne parvient pas à arriver les épaules du jeune Taishi Ozawa. Il est en place pour son sliding punch. Metehan, ça pourrait être la fin s'il arrivait à le placer. Sliding punch, ça passe pas. Oh, il était emmené en crucifix, le tombé 1, 2, dégagement. Metehan qui se relève mais qui se jette là dans la gueule du goût en quelque sorte. Le backslide de Taishi Ozawa, le tombé. Encore un dégagement in extremis. Ozawa qui a failli surprendre Metehan à deux reprises. Tentative encore de prise de soumission. Ozawa qui s'en sort, qui renvoie Metehan dans le coin. Gros coup de pied
de l'Allemand qui revient. Enzugeri au centre du ring. Oh, la claque de Metehan, alors que Ozawa a lâché un gros hurlement là pour se motiver. Oh, quel close-line encore, coup de la corde à linge sans élan. Il envoie son bras à travers Taishi Ozawa littéralement. Allez, le sliding punch pour Metehan peut-être en préparation pour la deuxième fois. Taishi Ozawa aura-t-il les moyens d'esquiver? Oh, le dropkick, il a même eu le temps de se relever, Taishi Ozawa. Un peu d'hésitation là du côté de Metehan. Ozawa sur la troisième corde, le moonsault peut-être. Assez loin, Metehan qui s'éloigne pour empêcher Taishi Ozawa de placer son moonsault. Ozawa qui se pose des questions, il se demande ce qu'il va faire. Standing shooting star encore. Allez, cette fois il est dans le bon coin. Cette fois il est à portée, Metehan. Taishi Ozawa sur la troisième corde, l'esquive. Il a tenté de le déséquilibrer comme tout à l'heure, Metehan. Ozawa l'avait vu venir. Il est en place, Taishi Ozawa. Oh, c'est un Phoenix Splash porté par Taishi Ozawa, elle tombe bien. 2 et 3 victoires de Taishi Ozawa qui bat Metehan. Und hier ist der Sieger aus Shizuoka in Japan, Taishi Ozawa. Magnifique victoire pour le jeune lutteur japonais qui l'emporte face à Metehan après un Phoenix Splash. Il aura été dur ce combat pour Taishi Ozawa, mais c'est une victoire der Sieger aus pour le Japan, japonais. Taishi Ozawa. Et c'est une victoire qui va faire mal, une défaite plutôt qui va faire très mal à Metehan, qui avait l'air plein de confiance. On a vu cette confiance fragilisée durant le combat. Et on se retrouve dans les vestiaires avec Crouch Lester en train de s'échauffer. Oh man, diese Fotze habe ich noch nie gemacht. Ah, les Blues Brüder qui sont en train de comploter dans son dos. Hey, Crouchester! Crouchester. Oder sollte ich Ahmeds Liebling sagen? Ou alors je dois dire le petit pote d'Ahmed. Was ist denn da los? Also, dafür, dass ihr die neuen Chefs seid, ist euch wohl nicht klar, dass ich ein Match habe. Und ich werde mich gerade ce qu'il est en train de faire, il répond, je m'échauffe pour le match. Nein, 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 hast du nicht, Crouchester. Weder heute, noch morgen, oder in 10 Jahren, du bist gefeiert. T'as pas besoin de t'échauffer. T'auras pas de match ce soir, on te vire de GWF. Comme c'est pas vrai, les Blues Brüder qui font déjà parler leur pouvoir là, les tyrans. Les frères de sang qui virent Crochester des vestiaires. Berlin, das nächste Match ist angesetzt auf einen Fall. Und es geht um den German Wrestling Federation Mixed Tag Team Championship. Auf dem Weg zum Ring! Et vous l'aurez compris, avec Olaf, c'est l'heure du match pour les titres de champion par équipe mixte de GWF. Er kommt aus Leipzig, sie kommt aus Kiel. Er steht für Kampfkunst, sie steht für die Liebe. Die amtierenden German Wrestling Federation Mixed Tag Team Champions Amy Heartbeat, Fast Time Mudo, Heartbreak and Kicks. Voici donc les champions par équipe mixte en titre de GWF. Cette équipe composée de Fast Time Mudo qui représente le combat. Et Amy Heartbeat qui représente Die Liebe, l'amour en allemand. Voici Heartbreaks and Kicks. Die German Wrestling Federation Mixed Tag Team Champions. Aus Kiel, Amy Heartbeat. Aus Leipzig, Fast Time Mudo. Zusammen sind sie Heartbreak and Kicks. Pour un accueil aussi favorable de la part du public pour Heartbreaks and Kicks avant d'accueillir leur challenger.
mit einem Gewicht von 80 Kilogramm aus dem Großstadtdschungel von Berlin. Das Alpha-Tier, The Lion King, Tarkan Aslan. Voici le premier des deux challengers au titre de champion par équipe mixte de GWF. Il est Das Alpha-Tier, le mal alpha de Lion King, Tarkan Aslan, qui pourrait bien ce soir retrouver l'or, lui qui a été par le passé champion du monde de GWF, pourrait devenir avec sa partenaire du soir champion par équipe mixte de GWF en venant à bout de Heartbreaks and Kicks. Belle opportunité pour Tarkan Aslan, qui fera équipe ce soir avec Stephanie Mays. Atmosphère particulière dans le Festside Kreuzberg de Berlin lorsqu'il s'avance au ring. Tarkan Aslan avant d'accueillir sa partenaire du soir. Tag Team Partnerin. Pas l'air d'être là Stéphanie Mays, en tout cas elle met du temps à venir au ring. Auf dem Weg zum Ring. D'habitude elle est déjà là Stéphanie Mays, elle ne met pas aussi longtemps que Tarkan Aslan à s'approcher vers le ring. Et Fastime Modo qui prend le micro, qu'est-ce que c'est encore que cette affaire? Tarkan, hast du deine Weiber nicht im Griff oder was? Tarkan, t'as pas réussi à garder ta partenaire. Scheinbar ist ja deine Partnerin Stephanie Mays. Il semblerait que Stéphanie Mays oder so, ich weiß es nicht. Scheinbar kommt sie ja nicht. Ich fordere, du hörst auch zu, ich fordere, dass wir für die Sieger dieses Kampfes erklärt werden. Sollte Steffi nicht innerhalb, bis ich die 10 gezählt habe, hier erscheinen, compte, Sieg durch Nichtantritt. Et que si au bout du compte de 10, Stéphanie Mays n'est pas là, on conserve les titres. Ah bah c'est facile, ça fait Time Mudo qui est en train de compter, comme si c'est lui qui décidait de tout. Il arrive à 5 et pour l'instant pas de signe de vie de Stéphanie Mays. Ah, ce serait une soirée trop tranquille là pour Heartbreaks and Kicks. 10. Erklär uns zum Sieger. Et demande à Olaf de les annoncer comme toujours champions. Aber ein Sieger kann es nur geben, wenn ein Kampf stattgefunden hat. Aber super, quelle performance. Kampf findet nicht statt, ganz offensichtlich. Das will ich euch zusprechen. Also weiterhin. Und das ist das Wichtige für dich. Amtierende German Wrestling Federation. Et ça y est, Mixed Olaf qui les annonce officiellement, pardon, toujours aus Leipzig, Fast champion par équipe mixte de GWF. And kicks. Es tut mir leid. Une soirée tranquille pour les champions, mais attention, voici les Boots Brüder qui, je le rappelle, ont remporté les élections et prennent les décisions chez GWF désormais.
On les a vus plus tôt dans la soirée. Enfin, il y a même quelques minutes, virer Crochester de la salle. Est-ce qu'ils ont une décision à prendre par rapport à ce combat et à l'absence de Stephanie Mays? Mike Shear à le micro. Le nouveau frère de sang. Alle denken, die Blutsbrüder sind die Bösen. Tout le monde pense que les Blutsbrüder sont les méchants. Und deswegen werden wir euch Fans nicht enttäuschen. On va vous montrer que on prend les décisions pour les fans et avant tout pour les fans. Tarkan, wo ist deine Partnerin? Tarkan, où est ta partenaire? Nein, bist du es? Nein. Personne ne sait, même pas FaceTime Mono, Tarkan, du bekommst trotzdem eine Chance. Du hol jetzt Tarkan, on te donne quand même une chance. Solltest du gewinnen. Tu vas affronter en un contre un FaceTime Mono. Solltest du gewinnen, kriegst du bei der nächsten show. Et si tu gagnes, nochmal die Chance au prochain show, um die Titel. Vous aurez une chance avec Stephanie Mays au titre de champion par équipe mixte. Et bien, ça me paraît de la part des Blues Brothers être une plutôt bonne décision. Aussi surprenant que ça puisse être. Um den nächsten Titelkampf an der nächsten Veranstaltung, um die German Wrestling Federation Tag Mixed Tag Team Champion Titel. Bis dahin gehen die Mädels aus dem Ring. Amy, komm mit. Tarkan Aslan a donc en quelque sorte un match pour devenir challenger numéro 1 au titre de champion par équipe mixte de GWF aux côtés de Stephanie Mays. Pour cela, il va devoir battre FaceTime Mudo, la moitié des champions. Et ce combat qui se transforme donc, vous l'aurez compris, en combat en un contre un entre Tarkan Aslan et le maître des arts martiaux FaceTime Mudo. Et c'est parti, la cloche sonne donc entre Tarkan Aslan et FaceTime Mudo. Si Tarkan Aslan bat Mudo lors du prochain événement, il aura une chance au titre de champion par équipe mixte de GWF aux côtés de Stephanie Mays face à Heartbreaks and Kicks. Et Tarkan Aslan qui attendait les off di Fresso évidemment de la foule. La tradition chez GWF et partout en Allemagne, c'est Champ qui réclame à ce qu'on se frappe dessus tout simplement. Provocation en mode arts martiaux de FaceTime Mudo, ça va pas plaire à The Lion King. Tarkan Aslan qui répond directement avec un coup de pied, la projection dans les cordes, c'est retourné par Mudo et la grosse clothesline à la volée portée par Tarkan Aslan. La projection dans les cordes une nouvelle fois, accueilli avec un coup de pied. Tarkan qui prend de la vitesse, clothesline esquivé, la petite pause de Tarkan Aslan. Lui aussi il sait provoquer ses adversaires, il sait rentrer dans leur tête. Tarkan Aslan, c'est même un spécialiste. Ils sont dans les cordes. Et un espèce de coup de genou là au visage. Porté à pleine vitesse par Tarkan Aslan. Et ça fait reculer FaceTime Mudo jusqu'à l'extérieur du ring. Ah, Mudo, il pensait bien s'en sortir là. Conserver les titres sans même combattre. En comptant Stephanie Mays à l'extérieur alors qu'elle était absente. Les Blues Brothers qui lui ont dit bah écoute, ce sera pas si simple que ça, tu vas combattre quand même ce soir. Ça doit être bien embêtant là pour FaceTime Mudo qui pensait passer une journée tranquille. Un gros coup d'avant-bras de FaceTime Mudo qui profite évidemment de la distraction de Amy Heartbeat qui a pu rester aux abords du ring. C'est Ahmed qui nous avait dit en début de show que les personnes accompagnant les combattants et les combattantes devaient revenir au vestiaire une fois que le combat démarre. Mais maintenant que les Blues Brothers ont pris le pouvoir, je pense que ce n'est juste plus d'actualité tout simplement. Ah, ce serait pas se rendre service pour les Blues Brothers que d'interdire la présence aux abords du ring. Eux qui arrivent tout le temps à 15 pour un combat en un contre un. Collier de tête porté par FaceTime Mudo pour garder Tarkan Aslan au sol. Tarkan qui tente de se relever, de porter des coups de coude, des coups d'avant-bras dans l'abdomen de son adversaire, la projection dans les cordes et le gros kick de FaceTime Mudo, lui l'expert des arts martiaux, le jeu de jambes le plus dévastateur du vestiaire de GWF.
face à Imodo qui a l'air très en confiance. Même si là il se laisse un petit peu distraire par les chants du public. Les chants hostiles évidemment face à Imodo. Il y en a certains que je ne peux pas traduire. Sinon on ne va pas rester longtemps sur YouTube. Et pendant que Fast Time Mudo discute avec l'arbitre, la MR Beat qui est en train de rôder à l'extérieur pour venir tout simplement étrangler Tarkan Aslam dans le dos de l'arbitre. Ah, ça va être ça la GWF des Boots Brothers. On n'est pas au bout de nos peines. Quel kick de Fast Time Mudo. Le tombé 1-2 et le dégagement du Berlinois. Et encore ce collier de tête de Fast Time Mudo qui est en train de tenter tout simplement d'asphyxier Tarkan Aslan pour l'empêcher de prendre son rythme dans ce match, pour l'empêcher de décrocher une chance au titre de champion par équipe mixte. Et Emir Beat qui pourrait s'en sortir sans combattre et sans challenger ce soir si Fast Time Mudo venez à battre Tarkan Aslan. Quel spinning heel kick là porté par l'expert des arts martiaux. Le tombé 1-2 et dégagement de Tarkan Aslan au compte de 2. La foule de Berlin qui tente de transmettre son énergie à Tarkan Aslan dans un combat qui est bien compliqué pour lui ce soir face à Fast Time Mudo. C'est difficile également lorsqu'on s'est préparé à un match par équipe de se retrouver seul en 1 contre 1. Quel kick encore une fois de Fast Time Mudo. Pour le coup c'est le cas pour les deux hommes. Ils avaient tous les deux prévu de combattre en équipe. L'absence de Stéphanie Mays. On a décidé autrement. Allez la prise de vitesse là, de Tarkan Aslan. La close line à la volée. Deuxième. Troisième. Fast Time Mudo dans le coin, la projection de Tarkan Aslan dans le coin opposé, ça va revenir. Le back body drop de Tarkan Aslan, le tombé 1, 2 et le dégagement en compte de 2. Tarkan qui va aller puiser également l'énergie de cette foule qui vient la chercher pour s'en nourrir. La tentative de cravate de Tarkan Aslan mais ça a été contré, il a réussi à enchaîner avec une espèce de tornado d'ici le tombé et Emir Beat qui a placé le pied là de Fast Time Mudo sur la corde. Ça aurait peut-être pu être terminé là pour Fast Time Mudo mais Emir Beat qui a placé le pied de Mudo sur la corde, on l'a très clairement vu. Fast Time Mudo ne répondait plus. Et il s'en sort miraculeusement Fast Time Mudo grâce à la présence de Emir Beat à l'extérieur. Pour l'instant pas de match de championnat pour Tarkan Aslan et Stéphanie Mays. Coup d'avant-bras de Fast Time Mudo, il enchaîne. Superbe combinaison portée par Fast Time Mudo. Et le Made in Japan qui passe. Le tombé 1, 2 et dégagement au compte de 2. Tarkan Aslan qui résiste. Après ce gros enchaînement de Fast Time Mudo, alors que le combat aurait pu être terminé pour le lutteur de Leipzig. Attention Mudo, prêt à enchaîner au centre du ring avec un double underhooks facebuster, l'une de ses spécialités. Tarkan Aslan qui s'en défait. Attention Mudo qui passe au-dessus. Le coup de la corde à linge qui est esquivé. Springboard qui a été contré par Tarkan Aslan avec un coup dans le dos et Aslan en position pour asséner une powerbomb à son adversaire depuis le coin. Les coups d'avant-bras de Mudo. Oh, attention Tarkan Aslan qui le reprend en powerbomb, ça passe. Il a écrasé Mudo au sol, le tombé 1, 2. Oh, le dégagement au compte de 2. On a vu Emir Beat se précipiter sur le tablier pensant que ce combat était terminé. Allez, il y a peut-être une opportunité pour Tarkan Aslan d'avoir ce match de championnat qui lui était promis ce soir aux côtés de Stéphanie Mays. Tarkan Aslan en train d'attendre que
que Fastime Mudo se relève. Ah, et c'est Emir Bit là qui vient se placer sur le tablier, qui vient distraire Tarkan Aslan. C'est pas vrai, Emir Bit. Attention, Mudo qui a failli se jeter là sur sa partenaire. Oh, le cutter! Le cutter qui passe pour Tarkan Aslan, le tombé 1, 2 et 3, la victoire de Tarkan Aslan. Und hier ist der Sieger, das Alpha-Tier, the Lion King, Tarkan Aslan. Tarkan Aslan qui obtient donc pour lui et Stéphanie Mays une opportunité au titre de champion par équipe mixte de GWF du côté de GWF Showdown. Alors ce sera l'événement qui suit Summer Smash, mais il sera probablement diffusé après le gros week-end du 30-31 août et 1er septembre avec Revolution Pro Wrestling. Ouais, Emir Bit qui est pas heureuse hein, de ce résultat évidemment. Tente de placer une gifle à Tarkan Aslan. Et Tarkan qui ne veut pas la frapper, mais le black belt kick par derrière là de Fastime Mudo. Ah, il est venu complètement éteindre les lumières là du côté de Tarkan Aslan, il n'y a plus personne. Ce black belt kick porté à l'arrière de la nuque par Fastime Mudo à son nouveau challenger au titre de champion par équipe mixte après cette défaite. C'est bien une victoire de Tarkan Aslan ce soir, mais Fastime Mudo n'a pas tardé à reprendre l'avantage psychologique. Wir machen trotzdem immer weiter mit dem nächsten Match. Das ist angesetzt auf einen Fall. Auf dem Weg zum Ring. Et on poursuit avec un nouveau combat en 1 contre 1. Cette fois, il est prévu en 1 contre 1 et il devrait l'être. Il s'agit tout simplement du défi lancé par cet homme plutôt dans la soirée à Palais-Bas. Mit einem Kampfgewicht von 102 Kilogramm aus dem Kosovo, Mr. Uppercut, the Golden Boy, der Blutsbruder, Erkan Sultani. Il est le Golden Boy, il est Monsieur Uppercut, il est le leader du mouvement qui a amené les Blutsbruders à prendre le pouvoir chez GWF. Il a repris le flambeau de son défunt Blutsbruder Bad Bones, John Klinger. Voici Erkan Sultani. Und sein Gegner! Mit einem Gewicht von 85 Kilogramm! Palivan Lima! 85 kilos à la pesée pour celui qui représente Derklan et qui répond au défi lancé par Erkan Sultani. Après l'annonce des résultats des élections. Aus Teheran, Emiran, Palevan Nima. Voici Palevan Nima qui ne recule pas face aux 2 mètres de Erkan Sultani. Also, jetzt sind die Blutsbrüder am Start. Ok. Dieses Match wird ein Lumberjack Match. Erkan Sultani qui nous annonce, puisque je prends les décisions, ce match est un Lumberjack Match, un match de bûcheron. Il y aura donc du monde autour du ring. Moment. Il choisit bien les personnes qui seront présentes autour de ce ring, puisqu'il s'agit tout simplement des Blutsbruders. Carlos Caliro, Volgard, Mike Scheer et Georg Gascolar qui vont jouer le rôle des bûcherons dans ce Lumberjack Match et qui pourront donc intervenir pour remettre les adversaires dans le ring au cas où ça se passerait à l'extérieur. Ah, ils profitent d'entrée de jeu de leurs avantages, les Blutsbruders, depuis qu'ils ont pris le pouvoir. Une annonce qui est clairement au désavantage de Palevan Nima. Et normalement, les bûcherons ne doivent pas intervenir lorsque l'action se déroule dans le ring. Mais on voit que Palevan Nima est entouré là, comme par des fauves, une meute autour du ring qui ne veut que le tabasser. Tentative de super kick d'Erkan Sultani. Palevan Nima qui ne recule pas, le gros bicycle ni le tombé. Oh, le dégagement. Oh, il a failli surprendre Erkan Sultani, il a failli surprendre tous les Blutsbruders. Palevan Nima qui se jette direct sur Georg Gasgolar et ça permet à Erkan Sultani de lui asséner une violente clothesline.
La projection dans le corps opposé, la manchette portée par Monsieur Manchette. Mister Uppercut qui enchaîne les claques. Et les manchettes sur Palevan Nima dans le coin, sous les yeux visiblement ravis des Bruce Bruder. Encore ses claques. Et ses manchettes d'Erkan Zulsani qui ne laisse aucun répit à Palevan Nima. Il est là ce soir pour montrer la supériorité des Bruce Bruder. Pour montrer à Palevan Nima, à Derklan, mais aussi à tout le monde chez GWF qui commande. À ce week-end du côté de Berlin, je vais me méfier hein, lorsque je vais croiser le chemin des Boots Bruder. J'aimerais pas avoir des problèmes. Grosse manchette encore. Derklan Zulsani qui envoie Palevan Nima en pâture au frère de sang qui se jette dessus, la Mike Shear, Ivo Jared. Qui piétine Palevan Nima à l'extérieur du ring. Ah, et ce en toute impunité en tant que Lumberjack. Même si logiquement ils sont censés remettre Palevan Nima dans le ring, pas le tabasser entre deux, mais évidemment, connaissant les Boots Brother, ils vont profiter de la situation autant que faire se peut. Palevan Nima. Après un petit passage à tabac offert à Erkan Zulsani. C'est une véritable punition que veut infliger Erkan Zulsani à Palevan Nima. Il a osé lui manquer de respect après l'annonce des résultats des élections. Et Erkan Zulsani n'a pas perdu de temps pour organiser ce match, pour organiser ce traquenard. Allez, coup d'avant-bras de Palevan Nima avec l'énergie du désespoir là qui tente de revenir comme il peut dans un combat où absolument tout est contre lui. Ah, ce sera un exploit monumental hein, s'il venait à battre Erkan Zulsani dans cette situation et il ne lâche rien. Palevan Nima, il est combatif, le membre de Derklan. Allez, la projection dans les corps pour prendre de la vitesse et le gros big boot. Erkan Zulsani pour accueillir Palevan Nima. Et encore une fois, on vient l'envoyer à l'extérieur. Cette fois-ci, c'est du côté de Carlos Cajero et Georg Gasgolar que Palevan Nima risque de passer un sale quart d'heure. Ouais, on le renvoie au ring après quelques coups de poing. On croirait voir un gang qui règle ses comptes dans la rue, mais non, c'est bien les Blues Brothers sur le ring de GWF qui fait sa loi. Et la grosse superplex portée par Erkan Zulsani, la grosse souplex, pardon, le tombé 1, 2 et dégagement de Palevan Nima. Ah oui, j'ai dit superplex. Lorsque l'on chute de plus de 2 mètres, comme c'est le cas sur une souplex portée par Erkan Zulsani, je pense que le terme n'est pas trop galvaudé. Et Palevan Nima balancé pour la troisième fois au fauve, littéralement. Il est balancé dans la fosse au lion. Palevan Nima piétiné par Ivo Jard qui s'en donne à cœur joie aux côtés de Carlos Cajero. J'arrive pas à croire qu'on commande ces images, les Blues Brother, que je pardon commande ces images et que vous les regardez. Les Blues Brother font la loi chez GWF désormais, ils font leur loi et ça commence très mal cette affaire. Allez, Palevan Nima qui tente de se défendre comme il peut en infériorité numérique face à 4 frères de sang. Il aurait bien besoin là, de l'aide de Derklan pour le coup. Les Blues Brother en plus de ça qui font un pied de nez à l'annonce d'Ark Mechir en début de show qui a annoncé que les membres d'un clan ne pourraient plus suivre leur partenaire jusqu'au ring. Ouais, la jambe là de Palevan Nima qui a été coincée dans la corde. Erkan Zulsani s'est jeté dessus pour lui mettre un gros coup de pied. Le tombé
que ça se termine. Et non, même pas. Paleva Nima, il veut résister. Est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de la folie pour Paleva Nima que de continuer à se dégager sur les tentatives de tomber d'Arkan Zoufsani? Arkan en place pour la pop pendle bombe. Voilà l'esquive de Paleva Nima, la projection dans les cordes. Oh, attention l'arbitre. Il a failli être heurté là par Paleva Nima qui arrive avec de la vitesse au la close line d'Arkan Zoufsani sur l'arbitre. Et Palevan, le schoolboy, mais il n'y a plus d'arbitre. Et il y avait trois. Oh, c'est pas vrai. Et bien sûr que les frères de sang vont monter sur le ring. Bien sûr qu'ils vont profiter du fait que l'arbitre soit au sol. Yves Oljard, Carlos Caillero qui sont en train de matraquer Palevan Lima et l'offrir complètement inerte à Arkan Zoufsani pour un super kick. Oh, attention le contre là de Paleva Nima qui tente de se débattre. Là il va se le prendre le super kick. Et non, c'est pour Carlos. L'esquive de Paleva Nima encore. Et Arkan Zoufsani qui vient d'envoyer un super kick à son Blood Brother. Allez, la close line de Palevan. Une deuxième. Alors que l'arbitre est toujours au sol, la projection dans les cordes. Ouais, superbe. Hurricane Rana porté par Palevan Nima. Allez, si Darklan pouvait faire un immense coup au Boots Brother, face au Boots Brother ce soir grâce à Palevan Nima, qui pourrait venir à bout d'Arkan Zoufsani. Attention, Yves Oljard qui se jette dans le ring, aussitôt envoyé à l'extérieur par Palevan Nima. Oh, il a une idée en tête, Palevan, sur le tablier du ring. Coup de pied sur Georg Asgolar qui tentait d'intervenir. Qu'est-ce qu'il fait Palevan Nima? En train de monter sur les cordes en profitant de la présence de Georg Asgolar. Palevan Nima, superbe. Le Rolling Senton porté à l'extérieur du ring sur tous les Blues Brothers. Et il a raison de garder espoir, Palevan Nima. Il y a la place d'aller battre Arkan Zoufsani malgré le fait que ce match est un immense traquenard organisé par les frères de sang pour Arkan Zoufsani. Monsieur Carpe, Arkan qui revient avec de la vitesse pour asséner une grosse manchette à Palevan Nima. Et attention, elle arrive peut-être, la superplex que j'évoquais tout à l'heure. Cette fois-ci, depuis le haut des cordes, Palevan Nima sait que si cette souplex passe, ce sera terminé pour lui. Il tente de se débattre avec des coups de boule. Et ça fait chuter Arkan. Palevan Nima avec le soutien du public de Berlin sur la troisième corde. Et le splash qui passe. Le tombé. 1, 2. Et le dégagement d'Arkan Zoufsani. L'arbitre encore trop sonné pour pouvoir compter à une vitesse normale. On ne lui en voudra pas à l'arbitre. Palevan Nima avait, je pense, sans cet incident, une opportunité pour battre Arkan Zoufsani ce soir. Allez, c'est peut-être pas terminé la tentative d'écrasement au sol par Palevan Nima. Ça a été esquivé par Arkan Zoufsani. Et la pop handle bomb qui passe. Le tombé d'Arkan Zoufsani, 2, et dégagement une nouvelle fois. La résistance de Palevan Nima qui sent qu'il peut réaliser un exploit ce soir, qu'il peut contrecarrer les plans des frères de sang. Avec cette foule toujours en train de pousser le membre de Derklan. Arkan Zoufsani prêt à en finir avec son super kick. Aussi contré, c'est bloqué par Palevan Nima. Le schoolboy, cette fois ça passe, le tombé. 1, 2, et dégagement encore. Arkan Zoufsani, c'est pas passé loin pour Palevan Nima qui ne perd pas de temps. L'esquive d'Arkan Zoufsani, coup d'avant-bras de Palevan Nima depuis le tablier. Palevan Nima prêt à se jeter sur Arkan Zoufsani, le springboard. Oh, le super kick d'Arkan Zoufsani. Il l'accueille en plein vol, c'est terminé. 1, 2 et 3, la victoire du Blood Brother Arkan Zoufsani.
aus dem Kosovo, der Blutsbruder Erkan Zulsani. Erkan Zulsani parvient à arriver les épaules de Palevan Nima dans une situation tout de même de 5 contre 1 avec les Blutsbruders. Victoire d'Erkan Zulsani. Bravo à Palevan Nima qui a été extrêmement combatif, extrêmement courageux. Mais ce soir, décidément, c'est le soir des Blutsbruders. Das folgende Match ist angesetzt auf einen Fall. Und es geht um den German Wrestling Federation World Championship. Auf dem Weg zum Ring, der Herausforderer. Et vous l'aurez compris, c'est l'heure du main event de GWF Summer Smash 9 pour le titre de champion du monde de GWF. Et un champion du monde, justement, voici un actuel champion du monde de TNA Wrestling, Total Non-Stop Action aux États-Unis. Voici également un ancien champion du monde de German Wrestling Federation. Ce soir, challenger à ce titre qu'il va tenter de récupérer. Voici celui dont Berlin est déjà en train de hurler le nom. Au rythme de sa musique d'entrée, voici Moose, Moose, Moose. Quel bonheur de retrouver Moose sur le ring de Berlin. Ça faisait un paquet d'années qu'on n'avait pas vu ici. Unser Gegner, der amtierende German Wrestling Federation World Champion. Et quelle affiche! Car voici le champion en titre. Vous le savez, il nous vient de Mons, en Belgique. Il est l'actuel champion du monde de German Wrestling Federation. Il s'avance au ring pour une nouvelle défense de titre, la 7ème, après avoir battu Axel Tischer, Yoichi, Erkan Zulsani deux fois, Tim Stubing et Tony Harting. Voici The Belgian War Machine, la machine de guerre belge, The European Beast, Mike Di Vecchio. Toujours accueilli comme il se doit par le public de Berlin, lui qui a été adopté par ce public bien avant déjà qu'il ne remporte le titre de champion du monde. Un titre solidement accroché autour de sa taille depuis le mois de novembre dernier. On l'avait vécu ensemble en direct, comme on vivra en direct les 31 août et 1er septembre, Double Impact et Battlefield. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour ces événements historiques à Berlin. Et comme d'habitude, je vais vous laisser profiter de l'ambiance et des annonces d'Olaf pour ce match de championnat German Wrestling Federation. I am presenting the contestants. Ich stelle die Herausforderer und den Champion vor. Die Teilnehmer in diesem Main Event um den German Wrestling Federation World Championship. Zu meiner Rechten. Mit einem Gewicht von 136 Kilogramm.
der amtierende TNA World Champion, representing the system, Moose! Sein Gegner zu meiner Linken mit einem Gewicht von 110 Kilogramm aus Mons in Belgien. The Belgian War Machine, La Machine de Guerre Belge, the European Beast, German Wrestling Federation World Champion, Mike D. VKO! Les présentations sont faites. L'ambiance est indescriptible à Berlin pour ce match de championnat du monde de GWF. Mike DiVecchio, champion en titre, face à Moose, champion du monde de TNA Wrestling. Une affiche comme seul GWF peut vous en proposer. Mike DiVecchio qui aura à cœur de repartir de Berlin avec ce titre, avec son titre, contrairement à ce que Moose avait déclaré lors de cette vidéo dans laquelle il défiait Mike D à la fin de Rising Beat, où il clamait haut et fort que le titre de champion du monde GWF était son titre, lui qui l'avait gagné et gardé durant 70 jours, c'était en 2017. Ça commence à faire quelques années, comme je le disais plus tôt. C'est parti donc officiellement, la cloche a sonné. Mike DiVecchio contre Moose pour le titre de champion du monde de GWF. Mike D qui a dû subir les menaces, les messages énigmatiques de Moose. Moose qui a engagé des sbires masqués pour venir attaquer Mike DiVecchio à la fin de Rising Beat. Mike D aura à cœur de se venger, bien sûr, de ses agissements du champion du monde de TNA. Et contrairement à d'habitude où le public est à 100% derrière Mike DiVecchio, on sent que Moose est également très populaire auprès du public de Berlin. Ouais, Moose propose un code of honor de serrer la main de Mike DiVecchio avant le début du combat. Enfin, c'était une feinte de la part de Moose. Il vient de nous montrer ce qu'il en pensait du code d'honneur. Moose, je crois que Mike DiVecchio a bien compris. Le message est clair de la part de Moose. On n'est pas là pour se faire des politesses. On est là pour le titre de champion du monde de GWF et ce, coûte que coûte. Allez, la première prise de contact entre ces deux lutteurs. On a là deux catcheurs extrêmement puissants, connus pour leur force surhumaine. Et voilà, Mike DiVecchio qui répond à Moose de la même manière. Et ça plaît au public du Fessa Crossberg. Énormément de tension avant les premiers coups portés dans ce match. On sent l'importance de ce combat, que ce soit pour Moose qui a envie de retrouver ce titre de champion GWF, et pour Mike DiVecchio qui pourrait asseoir encore plus sa domination au sommet de la hiérarchie ici chez GWF en venant à bout du champion TNA en titre. Pour sa 7e défense déjà. Champion depuis novembre 2023, Legacy. Si ça continue, il va commencer à s'approcher
de l'année de règne. Il reste encore quelques événements à GWF avant la fin de l'année. On va tous les suivre ensemble, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ce règne de Mike DiVecchio commence à durer et il est si dominant qu'on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. En tout cas, Mousse, il espère que ça va s'arrêter ce soir, même si là, il vient de se faire envoyer avec beaucoup d'autorité dans le coin par un gros dropkick de Mike DiVecchio. Et la pluie de coups d'avant-bras de Mike DiVecchio au visage de Mousse qui voulait aller jusqu'à 10, mais Mousse en a décidé autrement. Le reverse atomic drop. Bah, il n'a rien senti, Mike D. Le leaping knee strike porté par Mike DiVecchio, ce coup de genou porté avec de l'élan. On lui a envoyé la tête de Mousse dans la mousse. Ah, et ça, c'est un beau jeu de moi, ça, je suis fier. C'était tellement facile, j'étais obligé. Et Mike qui va suivre Mousse à l'extérieur du ring, qui vient lui envoyer la tête dans le tablier avec beaucoup d'autorité. Attention, Mousse qui a retourné la tendance là, il s'est fait envoyer dans le poteau par Mike D. Il va retourner là sur le tablier tête première. Il a presque basculé, il a presque fait une roulade la Mousse. Sous l'impulsion de Mike DiVecchio qui lui a envoyé la tête de plein fouet dans l'armature du ring. Et Mike Di qui va aller remettre Mousse dans le ring. On sait qu'il pourrait conserver son titre si ça se terminait à l'extérieur. Mais comme je le disais, Mike DiVecchio, il a envie d'asseoir sa domination. Il a envie de montrer qu'il mérite sa place au sommet. Et ça passe par une belle victoire nette et sans bavure face à Mousse. Oh, super kick de Mike DiVecchio porté à l'extérieur depuis le tablier. Attention à la tentative de Hurricane Rana, mais c'est bloqué par Mousse et la powerbomb sur le tablier. Le dos de Mike DiVecchio qui vient de heurter ce tablier du ring que Mike DiVecchio venait de faire manger à Mousse de l'autre côté. Un partout, la balle au centre dans ce match de championnat. On s'attendait à un combat très disputé, pour l'instant c'est le cas. Mousse qui a battu tant de grands noms du catch tout au long de sa carrière, notamment du côté de TNA, mais pas que. Lui qui a arpenté les rings des plus grandes promotions du monde, aux États-Unis notamment. Lui qui représente fièrement TNA, qui est indéniablement l'une des promotions les plus influentes du catch américain depuis le début des années 2000. Il arrive conquérant Mousse pour venir obtenir un deuxième règne en simultané, même si là tout ce qu'il a obtenu c'est sa main dans le poteau en acier. On a entendu ce bruit sourd de la main de Mousse balancée directement dans le poteau du ring. Ouais, Mousse qui demande là au public de bouger. Moi perso, si Mousse me dit bouge de la sorte, je pense que je finis sur le parking en moins de temps qu'il me faut pour le dire. Bicycle kick de Mousse alors que Mike est complètement groggy là sur cette chaise au premier rang. Et attention, Mousse, il a l'idée en tête. Mousse qui prend son élan et le bicycle kick encore en pleine tête de Mike DiVecchio. Et Mousse, malgré le fait qu'il soit soutenu par une partie du public, il leur montre ce qu'il en pense de leur soutien. Attention, Mousse qui a encore pris plus d'élan là, il est carrément à l'autre bout de la salle. Qu'est-ce qu'il va faire, Mousse? Peut-être à nouveau bicycle kick. Oh, et Mousse balancé par Mike DiVecchio, l'esquive du champion belge qui envoie Mousse dans les chaises ici au Festsaal Kreuzberg de Berlin. Je pense que les gens qui étaient dans le public à cet endroit-là n'auront plus de chaises en très bon état pour s'asseoir.
Moose est venu s'écraser de tout son poids sur ses chaises. Et Mike dit qu'il va en profiter. Le coup d'avant-bras encore. Un deuxième. Bah, difficile de faire régner l'ordre là pour l'arbitre dans ce match. Avec deux mastodontes comme Mike DiVecchio et Moose. On a du mal à s'imposer, c'est bien normal. Et Mike DiVecchio qui vient remettre son adversaire et qui vient remettre le combat sur le ring. Et Moose qui a envoyé l'arbitre là à l'autre bout du ring pour pouvoir tranquillement envoyer la corde dans l'entrejambe de Mike DiVecchio et reprendre le dessus avec des coups d'avant-bras au visage. La ruse de Moose, l'expérience de ce catcheur qui sillonne les rings depuis des années. Je l'ai dit la dernière fois qu'il était ici à Berlin, c'était en 2017 chez GWF et il était déjà à l'époque un catcheur reconnu dans le monde entier. Mike DiVecchio en difficulté après avoir été écrasé encore sur la corde sous tout le poids là de Moose. Cet étranglement qui force Mike DiVecchio à chercher du temps pour récupérer, pour respirer, et Moose ne va pas lui en laisser. La power bomb, l'esquive, le contre de Mike DiVecchio avec un Hurricane Rana, une Tirrella et le choke slam de Moose pour répondre. Le tombé 1-2 et le dégagement au compte de 2. Quel choke slam, quelle puissance. Et ils sont pas nombreux les lutteurs du vestiaire de GWF à pouvoir faire voler Mike DiVecchio de la sorte. C'est peut-être son plus gros défi ce soir à Mike DiVecchio que de venir à bout de Moose pour sa 7e défense du championnat mondial. On l'a déjà vu en difficulté Mike Di durant son règne, mais à chaque fois il parvient à reprendre le dessus et à s'en sortir. Sauf que là Moose lui impose un défi physique qu'il a rarement eu à affronter, même s'il a battu des lutteurs comme Taishi Ozawa, Erkan Zulsani. Moose a son gabarit, a son catch et a également son expérience à faire valoir. Et la provoque de Moose qui arrive en surconfiance évidemment, champion du monde de TNA, tenter de conquérir le titre mondial de Mike DiVecchio. Comment ne pas être confiant lorsqu'on est champion de l'une des plus grosses promotions des États-Unis. Et Mike DiVecchio aussi, c'est un lutteur en pleine confiance, on le sait. Allez, la claque pour répondre. L'enchaînement de coups de pied, Enzugeri, porté par Mike DiVecchio qui fait parler sa vitesse d'exécution. Moose à l'extérieur, Mike Di qui est capable de s'envoler également. Mike DiVecchio, le gros crossbody à l'extérieur. Et Moose qui s'effondre une nouvelle fois sur les chaises ici, dans les premiers rangs du Fessa Kreuzberg. Et le public de Berlin qui apprécie ce main event, tout comme vous, j'en suis sûr. C'est même pas terminé. Si vous êtes en première diffusion, je vous rappelle que ce 30 septembre et 31 que ce 30 août pardon et 31 août, on se retrouvera en direct sur cette même chaîne. Le tombé 1, 2 et le dégagement de Moose au compte de 2 après ce gros splash porté par Mike DiVecchio. Mike DiVecchio sera-t-il champion du monde de GWF en arrivant à Double Impact ce 30 août pour affronter peut-être l'un des plus gros noms de Revolution Pro Wrestling? Il faudra être avec nous en direct ce week-end, ça va être exceptionnel. Ou alors Moose va-t-il être le nouveau champion pour cet énorme week-end à Berlin? Oh, superbe! Le tombé 1, 2 et le dégagement au compte de 2 après cette espèce de double sit-out chokeslam porté par Moose. Mike DiVecchio qui parvient à se dégager au compte de 2. Mais le règne de Mike DiVecchio ne tient plus qu'à un fil. Mike Di en train de tenter de se relever, mais Moose est en train de l'attendre pour le découper en deux avec sa spire. Ce serait terminé. Oh, l'esquive
de Mike D après cette tentative de Spear. Le Schoolboy, le tombé 1, 2 dégagements de Moose. Kozan qui est esquivé par Mike D. Mike D qui tente de le surprendre avec un backslide. Attention, Moose qui revient. Et une énorme powerbomb encore. La puissance de Moose qui parle. Le tombé 1, 2 et dégagement au compte de 2. Quel combat, quel main event à Summer Smash. Quelle manière de lancer ce grand week-end Double Impact et Battlefield. Sous les This is Awesome du public du FSI Crossberg qui se régale. Et c'est Moose qui sera encore le premier debout. Mike Dive qui aura rarement été autant en difficulté depuis le début de son règne de champion du monde. Allez, Mike D qui trouve les moyens de répondre avec un coup d'avant-bras pour faire vaciller Moose. L'Américain qui répond à son tour. Mike D qui met au défi Moose de lui asséner un coup d'avant-bras, évidemment, que son challenger va répondre. Et de plus en plus fort. La foule qui réagit en faveur de Mike DiVecchio sur cet échange de coups d'avant-bras. Moose qui tente d'en enchaîner plusieurs. Rolling elbow. Mike DiVecchio qui tente d'en mettre une deuxième et qui est accueilli avec un headbutt. Attention, Moose qui prend de la hauteur et qui est accueilli avec un cutter. Incroyable, Mike DiVecchio. La vitesse de réaction. Springboard cutter de Mike DiVecchio. Il a planté la tête de Moose. C'est terminé. Le tombé 1, 2 et 3 non. Dégagement de Moose au compte de 2. Quel enchaînement de Mike D. Il n'est pas passé loin de river les épaules de Moose sur cet enchaînement. Ce double cutter porté par Mike DiVecchio. On se souvient que ce springboard cutter lui avait permis d'enchaîner et de remporter le titre de champion du monde à Legacy. Et Mike qui semble parti vers les cordes pour prendre de la hauteur, peut-être tenter un 450 splash. Une manœuvre à haut risque en tout cas pour Mike DiVecchio, mais il faut en prendre des risques face à un adversaire pareil. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les sbires de Moose là. Ces personnes qu'il avait embauchées pour venir tabasser Mike D à la fin de Rising Heat. Est-ce qu'il les a encore payées pour faire le sale boulot ce soir? Mais il se retourne contre Moose. Et c'est une disqualification. Et Tony Harting, mais qu'est-ce que Tony Harting a à voir avec ça? Tony Harting qui vient surprendre Mike DiVecchio alors que ce combat est terminé par une disqualification. Et Peter Tiani qui vient s'en mêler, qui vient tabasser la saison cagoulée. Le super kick de Peter Tiani, il y en a partout. Tiani qui est en train d'envoyer des gros coups d'avant-bras là à Tony Harting et qui enchaîne avec un single shot cutter. Et Moose, la spire de Moose sur Tony Harting. Et la powerbomb pour bonne mesure, Mike DiVecchio qui conserve donc son titre par disqualification. Est-ce que ces hommes cagoulés n'ont pas été envoyés par Tony Harting pour perturber le combat? On sait que Tony Harting a envie d'une chance au titre de champion du monde. Nach dem offiziellen Ergebnis, Disqualifikation für Mike DiVecchio. Und damit offizieller Sieger in diesem Match. Representing the nation, the system, Moose. Moose remporte le combat par disqualification, mais bien sûr, Mike DiVecchio conserve le titre de champion du monde. Weiterhin bei Mike DiVecchio, da er nicht wechselt bei Disqualifikation. Ah, c'est vraiment dommage de terminer Summer Smash sur cette note là à cause de ces hommes cagoulés qui sont venus perturber notre main event. Un main event durant lequel on se régalait. Champion Mike DiVecchio, der Sieger allerdings Moose. Before I say anything, I gotta get this piece of trash
out this ring. Alors avant de dire quoi que ce soit, il faut que je balance ce tas de merde en dehors du ring, pardonnez-moi l'expression. C'est la traduction de ce que vient de dire Moose. En parlant de Tony Harting. It's been exactly 6 years since I've been ça fait 6 ans exactement GWF. Que je n'avais pas catché chez GWF. I was GWF World Champion. En 2017, j'ai été champion du monde ici. And I know all those people booed the shit out of me tonight. Je sais que beaucoup de ces gens m'ont hué ce soir. Oh, whoa, 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 whoa. If you know anything about my 6 years in TNA, I do anything I have to do si vous savez, to win. Si vous avez vu un peu ce que je fais chez TNA depuis 6 ans, vous savez que je suis prêt à tout pour gagner, même si ça ne vous plaît pas. You guys have a hell of a world champion. Mais ce que je sais, c'est que ce soir, ici, chez GWF, vous avez un sacré champion du monde dans la personne de Mike DiVecchio. Anerkennung von einem ehemaligen Champion. Und dem Sieger des heutigen Abends, belle Moose. Preuve de respect de la part de Moose à l'égard de notre champion Mike DiVecchio. And I'll be honest, it took me 6 years to come back in Germany. Ça m'a pris 6 ans de revenir en Allemagne. It's probably gonna take me another 6 years to come back. Ça va peut-être me prendre 6 ans avant de revenir à nouveau. Oh, I got exciting news. What I'm gonna say. I want one more match. Mais je veux un match de plus face à toi. Und hofft, es dauert nicht noch einmal 6 Jahre, bis zurückkommen darf nach Berlin zur German Wrestling Federation. Dann will noch einmal einen Titelkampf. But I don't want it in your turf. Je ne veux pas un match sur ton territoire. I want it in my turf. Je veux t'affronter chez moi. TNA Wrestling. Je veux t'affronter chez TNA. Le défi est lancé de la part de Moose. Moose, Mike DiVecchio chez TNA. Le public de Berlin a l'air de signer, je pense que vous aussi. Trust me when I say. Fais-moi confiance. I'm the face of the franchise and I get what I want. Je suis le visage match, de la franchise. This rematch, you best believe, de TNA. That's what I want. Ce que je veux, je l'obtiens. Et le match contre toi, crois-moi Mike, je l'obtiendrai. Damn music. Maintenant, mettez la musique du champion. Also, will einen Rückkampf bei TNA, seinem Zuhause. Der Sieger dieses Matches, representing the system, Moose. Et c'est sur suite à ce défi de Moose que l'on va se quitter. Merci de m'avoir suivi pour GWF Summer Smash 9. Je vous donne rendez-vous dès demain si vous êtes en première diffusion en direct. Demain, vendredi 30 août. 14h, Double Impact avec Ref Pro Wrestling en partenariat avec GWF. On remet ça samedi, le 31 août à 14h également. Dimanche, sur cette chaîne, en direct, GWF Battlefield. Ça va être exceptionnel. Merci à tous de me permettre de vivre ça à vos côtés. J'ai très très hâte de vous retrouver ce week-end. C'était Vianney Canyonk. Bisous à toutes et à tous.